بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Comme d'habitude, certains pourraient se dire encore une conférence avec un titre qui se répète. Je le disais, subhanallah, pourquoi ? Parce que ça fait deux semaines à peu près, je fais plusieurs conférences d'affilée sur le même titre, Ramadan et les vacances. Et, mashallah, nos spécialistes que vous connaissez de Facebook, Twitter et compagnie ont souvent mis comme remarque, oui, toujours les mêmes titres. Mais d'une manière, comme on dit, entre guillemets, un peu comme pour dire, voilà, on n'est pas d'accord, c'est quoi cette conférence Ramadan, les vacances Ramadan. On a des fois, les Shabab, on reste étonné et on se demande de quoi est faite la vie d'un musulman. Sincèrement, de quoi est faite notre vie? J'ai bien dit du musulman, j'ai pas dit du mécanicien, j'ai dit du musulman, c'est-à-dire à la base. Elle est faite d'actes d'adoration, sahoulala. Elle est faite d'actes d'adoration. Et je vais même dire à ces jeunes et à tous les jeunes ici présents que normalement, écoutez-moi bien, normalement, si c'est pas, c'est drôle ce que je vais dire, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça, si c'est pas parce qu'on a peur que certains jeunes ne viendraient pas à une certaine conférence que je donnerai par exemple pendant l'année, vers le mois de janvier, j'aurais donné, wallahi, en janvier, prépare-toi pour Ramadan. Et j'allais le faire. Mais en discutant avec certains, on sait très bien que si tu fais ça, en janvier, tu mets « prépare-toi pour Ramadan », il n'y a personne qui va venir. Parce que Satan, la'anahullah, la première chose qui va te mettre en tête, c'est quoi? C'est que Ramadan, c'est dans 6 mois, dans 7 mois. Qu'est-ce qui vient parler, lui, de Ramadan? Je sais tromper de calendrier, ou là, qu'est-ce qui se passe? Il vient parler de Ramadan en janvier. Alors qu'on sait que, subhanallah, sahaba, radhiyallahu alayhim, des fois 6 mois à l'avance, ils attendaient Ramadan, et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils puissent leur prolonger leur vie et qu'ils arrivent à Ramadan. Ramadan, les shabab, demande toute une préparation. Ce mois sacré que nous, on a, entre guillemets, adopté dans notre pratique journalière, on va dire, annuelle. C'est devenu comme une routine. Ramadan arrive. Eh bien, on va refaire certains actes par routine. Au début, c'était toute une canette. Maintenant, c'est qu'un verre. C'est la fin de l'année. Moi, il m'a fait une blague. Je lui ai dit que tu vas payer. Alhamdoulilah, il a cassé une ordine. Allah hafda cassé une ordine. Parlons-en des blagues, entre guillemets. J'étais avec un des responsables. On a prié la dernière rangée. Et au moment où il se jette, donc ce qu'il me dit à la fin, il termine la prière et puis il prend un truc en main. Je sais que vous n'allez pas voir ce que c'est. Ceux qui sont devant, c'est quoi? C'est un ongle de pied. Donc on a des frères qui s'assient à leur aise et peut-être pendant 5 minutes, ils arrachent l'ongle petit à petit. Et Wallah, il est là. Donc je suis témoin. S'il m'aurait dit quelqu'un, on aurait petit... Vous savez bien, on doute souvent, moi, de nous. Alors, tout un ongle, comme on dit chez nous, attends, j'ai qu'de même, il est là. Déposé comme ça, devant l'endroit de soujoud. Vous voulez des autres blagues? Mais ce n'est pas des blagues, vous savez bien, c'est une réalité. Min adab al-masjid, parmi les bienséances de la mosquée, c'est que nos savants nous disaient, nos professeurs nous disaient, apprends d'abord qu'est-ce que la mosquée? À quoi sert la mosquée? C'est important, qu'est-ce que la mosquée? C'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aucun musulman digne de ce nom n'irait enlever un ongle de son pied pour le déposer comme ça par terre dans la mosquée. Et après, un frère, ou même côté femme, ça arrive. Et le frère, il m'a juré, il m'a dit, Wallahi, tous les jours, on ramasse des ongles. Il ne m'a pas dit toutes les semaines, il m'a dit tous les jours. Ah ouais, je l'ai gardé exprès en souvenir. Et là, Alhamdoulilah, c'est un ongle qui est propre. C'est pour ça que je le tiens dans mes doigts. Il n'y a pas de trace de quelque chose. Mais on a beaucoup de choses. C'est pour ça que, subhanallah, cette dernière rencontre qu'on a, c'est l'avant-dernière, parce que Ramadan aussi, avant que l'on voyage, on aura aussi une petite rencontre. Mais c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de choses que l'on doit revoir. Et pour revenir à ce que je disais dans l'introduction, par rapport à Ramadan, on a entamé comme ça cette routine par rapport à certains actes d'adoration. Alors que, ya shabab, wallahi, on a normalement une obligation
de les revoir tout le temps. S'il fallait que je donne un message à mes jeunes pendant l'année par rapport aux conférences, et peut-être même, spécialement ici à la mosquée El Amal où je viens chaque mois, normalement il devrait y avoir chaque semaine des cours qui se répètent tout le temps. Ça veut dire comme des mini-conférences, tout le temps. Dans le domaine du tawhid, dans la jurisprudence, dans le domaine du hadith, tout le temps, parce que ta vie, elle est faite de cela. Et je vais même vous dire, pour ceux qui pensent que il n'y a pas besoin de refaire une conférence, en vérité, c'est même dangereux ce qu'on fait. C'est-à-dire de nous donner un rappel sur Ramadan que, à la fin des vacances, bien à la fin, ça dépend quand Ramadan était présent, vous vous rappelez quand il était encore au mois de septembre, on est revenu de vacances, à de la première conférence, ceux qui se rappellent il y a quelques années, c'était quoi ? Avec laquelle on a commencé l'année ? Ramadan. Alors d'habitude, on commence l'année par des conférences sur l'école, l'enseignement, l'acquisition du savoir. Vous pensez que c'est fait comme ça très simplement, lakin wallah, il y a toute une, entre guillemets, toute une petite préparation par rapport à la logique qui fait que, qu'est-ce que tu es en train de préparer ? Mais maintenant, tu prépares Ramadan. Pourquoi j'ai dit que c'est trop tard ? Parce que comment voulez-vous maintenant les shabab, spécialement cette année, on va quasi jeûner presque, hein, plus ou moins, 18 heures. Ça, houlala. Inch'Allah, on va quasi jeûner presque 18 heures. Je m'excuse de prendre cet exemple. Prenez celui qui fume. Comment est-ce qu'il va faire ? En 24 heures. En vérité, ce n'est pas en 24 heures. Saraha, ce n'est pas en 24 heures. C'est en quelques minutes, c'est-à-dire qu'il va attendre la veille d'être le jour de doute, soit à la radio, la télé ou bien à la mosquée. Est-ce que c'est demain ? Et puis, il va pousser jusqu'à Sahur, on en parlera après, avec le petit repas que tu prends avant la prière de Sobh, pour pousser avec le suicide, mais un peu plus loin, pour fumer sa dernière cigarette. Et entamer, mashallah, sa première journée de 18 heures de jeûne, d'acte d'adoration. Beaucoup me diraient, mais c'est vrai, c'est difficile. C'est pas facile. Prends alors le cas de celui qui ne fume pas, mais qui en vérité a habitué son corps à d'autres petites drogues, et qui sont halal. La nourriture, la boisson, les passions, les envies. Celui-là, de nouveau, tu vas lui apprendre que dans quelques heures, tu dois tout arrêter à la seconde. Donc on a besoin de ces cours. Mais on a aussi besoin de la pratique. Puisque, subhanallah, combien de fois, on rappelle dans ces conférences-ci, et je peux vous jurer que l'année passée, et elles sont enregistrées, on a fait les mêmes rappels en 10 ans. Mais c'est parce que souvent, on n'ose pas lever la main, ou bien pour faire certaines statistiques, et on en a besoin. Normalement, la conférence de l'année passée, on a clôturé en disant, « Ya Shabab, si vous voulez que votre jeune, celui qui est normalement accepté, agréé par Allah, subhanahu wa ta'ala, vous êtes censé vous entraîner pendant l'année. » Il n'y a pas le choix. Minimum, les lundis, jeudi, et 13, 14, 4e, 15e jour de chaque mois lunaire. Ah, je reconnais, je les remercie, certains de mes élèves de l'école de la Rive, là, j'en vois quelques têtes ici à gauche, à droite, il m'est arrivé dans certaines classes, quand je dis à l'élève, les mois lunaires. Ah, là, je mettais au tableau, spécialement des fois les deuxièmes secondaires, premières, mais les mois lunaires. Tout le temps la même remarque. Et même chez les grands. Dès que j'ai vu cela, chez des jeunes de deuxième secondaire, mais parce qu'ils avaient doublé, ils ont déjà les 15 ans, j'ai dit, tiens, si ce mec de 15 ans, il n'a pas tilté. Tu vas me dire que les autres 18, là, ils ont tilté aussi. Je vais tester. Je fais les mois lunaires. Wallah, ça marche à tous les coups. Tu as tout le temps un ou deux derrière qui te fait. Quoi, monsieur, même dans la lune, il y a des mois. Il n'y a pas d'habitants dans la lune. T'es trompé, tu voulais mettre autre chose. J'ai dit, ah, il y a le martien. Je dis, viens. Hein, dans la lune, il y a des mois. Et tu crois que c'est moi qui s'est trompé. Pourquoi je vous dis ça ? Ben parce que je viens de vous dire qu'il faut jeûner le 13, 14 et 15e jour du mois lunaire. Il faut être au courant. C'est quoi le mois lunaire ? Je ne parle même pas, c'est une parenthèse, de ceux qui sont plus âgés et qui sont de ceux qui sont de la catégorie que l'on appelle ceux qui doivent donner la zakat parce qu'ils ont de la petite richesse à côté. Ils ont, on va dire, entre guillemets, presque dans les 3500, 4000 euros qui sont déposés à côté, minimum et plus. Et ils doivent donner 2,5%. Ça, oulala. Et eux, ils doivent les donner de nouveau. Quand ça ? Dites, quand ? Une fois par an. Mais quelle année ?
Ah, regardez, maintenant qu'on a certains, ils ont tilté. Ils ont dit, s'ils partent de la Lune, on va rester connecté à la Lune. Ah, ben oui, c'est normal. Mais il a raison, le frère. C'est une année lunaire. Et nous, on la connaît? Ah oui, c'est un Hijri. Est-ce qu'on la connaît? Saraha et Shabab, est-ce qu'on la connaît? On ne sait pas. On ne sait pas quel mois on est. Certains parmi nous savent quel mois on est dans lequel maintenant on est dans le calendrier. Ah, on est dans Sha'ban, le mois juste avant Ramadan. Certains savent encore le mois qu'il y a juste après Ramadan, parce que nos imams n'arrêtent pas de dire, s'il vous plaît, après Ramadan, jeûnez les 6 jours de Shawwal. Alors ils savent que avant Ramadan, il y a Sha'ban, et puis il y a Ramadan, et puis Shawwal. Et après, Ma'aoun, désolé frère. Ah ouais, parce qu'il n'y a plus de conférences qui parlent après des autres mois. On ne les connaît pas. Mais on leur dit, subhanallah, que tu dois... D'abord, Dhul Qa'ada, puis Dhul Hijjah. Et on leur dit, tu dois, absolument, tu dois sortir ta zakat. Pourquoi mois lunaire? Parce que le calendrier solaire et le calendrier lunaire, on sait très bien qu'il y a une différence de combien à peu près sur une année? 11 jours. Et nos savants, hafidhahumullah, ils ont dit, tu es obligé de donner d'après le calendrier déjà solaire, comme on dit déjà après la sunna. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que sinon tu as lésé, tu as comme entre guillemets fait trop patienter les pauvres pendant combien de jours? 11. Allahu Akbar. Le pauvre il t'attend. Le pauvre tu ne peux pas le retarder. Donc normalement tout musulman qui se respecte et qui a par exemple une certaine somme d'argent, il a dans son petit calepin ou bien sur son smartphone, il a une croix, mais qui va être calculée chaque mois. Pourquoi y a Shabab de nouveau? Regardez la beauté de cette religion. Ceux qui disent, oh, pourquoi toujours ces mêmes conférences? Parce que c'est ta vie entière qui est régie de cette manière-là. Et on sait très bien que, par exemple, chaque mois, on a des fois, il arrive, soit un jour en plus ou en moins, soit on va jeûner 29 ou 30. La semaine passée, dans une autre mosquée, on m'a dit même 28. Je dis, tabarakallah alik. C'est en quelle planète ça? Solaire, lunaire, et la tienne, c'est laquelle? Un âme. Ah, des fois, on doit un peu taquiner, hein, parce qu'il y a des sujets, c'est fini, on ne doit plus les répéter bêtement en kada, hein, parce que normalement, tu fonctionnes toujours avec cet agenda, il est là. Tu es censé savoir où est-ce qu'on est. Même ça, on a zappé, ya Shabab. Faites le test, vous allez voir pendant l'année, beaucoup, beaucoup de musulmans ne savent pas dans quel mois lunaire ils sont. Ils ne savent pas. Alors que nous, on parle de l'hijra, comme a dit le frère tout à l'heure ici à ma gauche, on parle de l'égir. Et ce calendrier a commencé. Et il est parti, mais il existait déjà, comme vous le savez. Mais je parle déjà encore d'un autre façon de parler, entre guillemets. Un calendrier, c'est pour dire qu'il y a des événements. Quelle année on est? Quelle année on est, Shabab? Ah, c'est bien écrit en grand, alhamdoulilah, l'électronique. Mais, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, peut-être qu'on ne va plus voir certains, ils partent en vacances, pour ça qu'on est un peu plus à l'aise aujourd'hui. Mais peut-être que certains, depuis des mois qu'ils viennent à cette mosquée, ils voient ce truc électronique, ils doivent se dire, ah, les vieux de la mosquée. Ils ont un problème, ils n'arrivent toujours pas à vouloir régler leur montre. Pourquoi ils laissent 1431? Pourquoi 1432? Il vient année par année et il remarque qu'il n'y a qu'une année qui bouge. Je peux te jurer qu'il y en a qui doivent te dire des fois, ça m'a con frère, peux-tu dire à la mosquée qui corrige ce qui a écrit 1400 et quelques, ils sont encore au Moyen-Âge? C'est vrai. Ceux qui parmi vous enseignent dans la religion ou autre ou discutent des fois, ils savent très bien qu'on a beaucoup, beaucoup de musulmans qui ne sont pas au courant quelle année on est. Ils ne savent pas, Allah. Alors que c'est, pour nous, le calendrier musulman, c'est immense pour nous. C'est immense, ya Shabab, wallahi. C'est le jour où le prophète a dû quitter la Mecque pour aller vers Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont fait la Umrah, qui ont fait le Hajj, ils ont fait le voyage après en car de la Mecque à Médine. C'est long. Et ce qui est étonnant, c'est 400 et quelques kilomètres, ça, oulala. Mais ça te prend jusqu'à 8 heures de route. Tellement c'est très chaud, les cars, ils n'arrivent pas à tenir. Adonai, dans le car. Et chaque fois que nous, on y va, on voit des gens qui se plaignent, qui se fâchent. Ils ont tardé. Prozasm l'a fait à pied. Et on monte sur une monture, on descend et on cède. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et ils marchent à pied, dans la chaleur. Est-ce que ce n'est pas honteux qu'on ne soit pas au courant de ce fameux calendrier? Alors, on doit être au courant, il n'y a pas le choix. Eh bien, pour Ramadan, que ça soit aussi les conférences, un exemple, il y a des conférences qu'on ne donne jamais quasi, sur le pèlerinage. Tu demandes à n'importe quel jeune combien de piliers de l'islam, alhamdoulilah, bon, et encore, hein, mais bon, on est élève, donc moi j'ai toutes les statistiques, j'ai les points, j'ai tout, je fais toujours ce contrôle en début d'année, à tous les élèves, de première jusqu'en sixième, piliers de l'islam. Wallah, il y a un paquet de nouveau qui te remet, qui te fait, je donne un exemple, il te met 3 piliers, il te fait... Ah, monsieur, c'est combien le contrôle sur combien? Je fais sur 10. Ah, ça va, déjà 6 sur 10, monsieur. Alèche?
Je connais trois, c'est déjà bien. Je parle échec. J'ai tué, c'est un échec, frère. Je lui dis, comment, je dis, mais tu connais pas les cinq piliers de l'islam, 16 ans, 17 ans, et tu veux 6 sur 10 parce que tu en as mis 3. Hey. Il y en a qui se retrouvent là-dedans, je vois des têtes qui rigolent. C'est les contrôles habituels, subhanallah. Mais on va aller plus loin. Qu'on se lève et que chacun explique les rites du pèlerinage. Très simple, voilà qui vient, tan, tan, tan. Est-ce que les 90%, 99% de la salle vont le faire? On sait très bien que non. Donc je voudrais dire à nos jeunes que même si toi, tu te plains en pensant que c'est la même conférence qui revient, en vérité, on est encore loin du calcul. On devrait remettre plusieurs conférences. Et on devrait tout le temps remettre des conférences sur le jeûne, comment est-ce qu'il fonctionne. Sur la prière, comment est-ce qu'elle fonctionne. Vous avez remarqué, il y a très peu de conférences dans le domaine de l'aqidah, de la prière, des piliers de l'islam, la zakat, la même, plein, et shabab. C'est pour ça qu'on dit toujours, les conférences, ce n'est que un petit dessert qu'on vous offre. Et je rappelle, pour ceux, parce que c'est vrai que des fois ça arrive que certains sont occupés, ils doivent aller, mais c'est une petite parenthèse, il y a tout un programme pendant l'année, inchallah, de cours. Il y a ceux qui, des fois, disent que soi-disant, ouais, mais on ne sait pas où est-ce qu'il y a des cours, kada. Je donne un bête exemple. À partir déjà Ramadan, inchallah. Et il y a une permanence, hein, ceux qui veulent aller soit après la conférence, ou bien maintenant pendant la conférence, ou quand ils doivent quitter les lieux parce qu'ils sont occupés, ça arrive. Eh bien, au premier étage, il y a une permanence. Subhanallah, et elle sera là tous les mercredis et dimanches, la permanence. Quelle heure à Sinourdin pour la permanence? À 5h. Vers 17h. Eh bien, pendant Ramadan, il y aura un cours d'arabe débutant pour les sœurs, mardi et jeudi. Parce que l'autre fois, je l'ai dit à la fin, certains m'ont fait la remarque après, ils m'ont dit, ce qui paraît, c'est mieux de le dire au début. Donc c'est vrai, cours d'arabe débutant pour sœurs, hein, tous les mardis et jeudis. Deuxième cours, pour hommes et femmes, il y aura un cours qui sera suivi sur l'éthique de la divergence et introduction aux sciences de la charia, pour mieux comprendre ce terme qu'on emploie n'importe comment, et des fois même les jeunes emploient n'importe comment, alors qu'il a un sens bien défini. Il sera donné les lundis et jeudis par un frère donc, qui est étudiant, qui termine, Inch'Allah, ses études. Il est à la Mecque, hein, je crois, l'Akh Bilal, si je ne me trompe pas. C'est un simple trou de mémoire. Même ouais, il est en Arabie, il termine. Inch'Allah, il donnera tous les lundis et jeudis. Après Ramadan, jusque fin août, il y aura des cours suivis sur les règles de bienséance. Dans plein de domaines, dans le domaine des bienséances, dans tout ce qui est ordonné le bien, éviter le blâme, le kada, qui va être donné aussi par le frère Mustafa Boualem, qui est aussi étudiant à Oud en Arabie. Mashallah. Tous des frères qui sont nés, qui ont grandi ici en Derlec, ou bien qui ont grandi dans la mosquée, et qui terminent, par là, leur licence en sciences religieuses en Arabie. Ça sera donné les samedis et dimanches, après Ramadan. Et moi, de septembre jusque janvier, par module, et puis de janvier jusque juin, on vient à peine de terminer, mashallah, certains. Élèves étaient présents, il y en a qui sont présents ici. On a terminé à haut des cours. Tous les mercredis, je donne ce qu'on appelle les leçons tirées des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. Tous les mercredis, de 18h à 20h30. Il faut être honnête, on commence avec 60 élèves. Alhamdoulilah, j'ai encore ce bienfait immense que je termine l'année avec, on va dire, un bon presque 30 élèves. Ce qui est miraculeux. D'autres professeurs, comme ça, qu'ils te disent, je termine avec un élève, ou bien il n'y a personne après 2 mois. La crise, elle est de votre côté, entre guillemets. Quand je dis vous, parce que vous êtes en face de moi, mais vous connaissez ceux qui, des fois, ne bougent pas. Parce qu'il y a parmi vous des jeunes qui suivent des cours, qui sont à gauche, à droite. Mais pensez à ceux qui font rien. Il faut. Un musulman doit s'inscrire, doit s'instruire. Deux mots différents. T'inscris, tu t'instruis. Il n'y a pas le choix. Demain, après-demain, tu vas devoir transmettre à tes enfants, ta famille et autres. Demain, après-demain, tu as un converti qui va te demander... et qui va dire, tiens, comment se fait-il? Je vous donne un bête exemple, et je rentre dans mon sujet. C'était une parenthèse, l'intro, là. On parle de Ramadan. Première blague qui arrive chaque année. Si on demande à un musulman en privé, entre nous, dans une mosquée, on entend nos machers, alhamdoulilah, qui dit, voilà, c'est un acte d'adoration imposé par Allah subhanahu wa ta'ala depuis le temps des temps, à d'autres prophètes, avant même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum pourquoi la'allakum tattaqun. Deux informations importantes, mais qui commencent par une interpellation importante. Ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire que la foi, elle est ancrée là. La personne, elle est connectée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est différent d'appeler un mu'min qu'un muslim. Vous savez très bien, chez les savants, il y a toute une différence. On ne va pas rentrer, sinon on serait parti pour des heures pour parler rien que la différence entre muslim, mu'min. Subhanallah.
Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle ici. Ya yuhalladina amanu. Ça fait, ceux-là, ils ont cru. C'est ancré dans leur cœur. Ils ne discutent pas, ils n'ont pas de doute. Bismillah, ils sont lancés. Il leur rappelle que voilà, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Sauf que nous, maintenant, on a le fameux jeûne qui est définitif. On a cette manière de jeûner, on ne boit pas, on ne mange pas, pas de relations, pas de choses qui vont annuler d'être le jeûne, les actes qui sont connus dans la jurisprudence depuis l'aube, ou bien, comme vous le savez, certains qui nous disent ça, qui n'y se trompent encore, depuis le lever du soleil. Ça, on l'entend encore aujourd'hui, en 2013. Depuis la prière de Sobh, jusqu'au coucher du soleil à Shabbat. Et à l'intérieur de ce jeûne, tout un travail spirituel, de cœur, d'âme, des membres, on va le voir. Première blague, c'est laquelle? Et vous allez voir, le premier jour de Ramadan, par exemple, ici à Bruxelles, la chaîne RTB, ou bien des fois RTL, ou bien en France, la 2, TF1, Antenne 2 et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rappelez-vous, ils vont chez qui? Chez une famille de musulmans. Et ils rentrent dans le salon. Et la première question qu'il pose, mais ça m'a toujours fait rire depuis que je suis jeune. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ah, bonjour monsieur, j'invente le nom. Ah, bonjour monsieur Ben Abdelkader, pourquoi vous jeûnez? Oui, parce qu'on doit penser aux pauvres. Et au moment où il dit on doit penser aux pauvres, t'as la caméra qui balaie la table. Et t'as une table, tu vois, là, de minimum 2,50 m. Et qui est pleine depuis le bord jusqu'au bord, moi, côté fois côté. Côté fois côté. Et wallahi, chaque année, c'est le même cinéma qui tourne. C'est pas ça le jeûne. Un point où si tu te mets à la place du non-musulman qui est assis à la télé, dans son salon et qui regarde ça, il doit se dire, ah purée, ils récupèrent bien ceux-là. Hein. Ils tiennent 18 heures, mais le soir, ils récupèrent. Hein. Et ils disent qu'ils pensent aux pauvres. Ils ont trop de manières de penser aux pauvres. Mais c'est déjà bien, ils pensent quand même un peu. Voilà les petites définitions qu'on donne. Il y a les définitions religieuses et puis il y a les définitions que certains êtres humains donnent. Le jeûne, ya shabab, wallahi, c'est une école. As-siyam, si on jeûnait toute l'année, faites un calcul très rapide des mathématiciens ici parmi nous. Lundi et jeudi, il y en a combien par mois, minimum? 8. Fois 11 mois, combien ça donne? Enlever le mois de Ramadan, hein? 88. 3 jours par mois, ça donne combien sur 11 mois? 33. 88 plus 33? Beaucoup d'examens de passage. Il vient de sortir les délibés et tout. Yac, combien ça donne? 121. Yac, 88 plus 33. Donc ça doit se terminer par un 1. 8 et 3, ça donne 11. On ne peut pas trouver un 4. Mais on va dire que c'est la fin de la semaine, c'est le vendredi, c'est pas facile. Voilà. Donc, on va dire 121. Zid Arafat, 122. Zid Ashura. Et rajoute les 30. On va arrondir à 30 de Ramadan. 120 et 30 à combien? On va arrondir à 150. 150 jours, un musulman qui pratique jeûne 150 jours par an sur une année qui compte à peu près 365. Allahu Akbar, c'est pas quasi la moitié? Donc un musulman qui pratique, une musulmane qui pratique, jeûne la moitié de l'année. Est-ce que ça ne donne pas un musulman spécial? Wallah, que ça donne un musulman spécial. Est-ce que ça donne un musulman qui, pendant le Ramadan, va se battre près des boulangeries et péter quelqu'un avec une kumera parce qu'il lui a pris la place ou parce qu'il est arrivé 10 minutes avant le Maghreb? Non. Est-ce que ça va donner des musulmans qui, grâce à leur jeûne, leur système de jeûner, wallah, ils gonflent les chiffres d'affaires de toutes les boucheries musulmanes qu'il y a, par exemple, à Bruxelles? J'ai des amis bouchers. Quand des fois, ils me voient arriver avant le Ramadan, j'aime bien les embêter. C'était des potes que je connais depuis des années. Je lui fais, eh wa, zerda de Ramadan. Hein. Il sait pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que Allah, il me jure, il me dit, le chiffre d'affaires qu'on fait Ramadan, il dépasse celui qu'on fait pendant l'année. Tellement on vend, barakallah, de viande. Ramadan. La'allakum tattaqoun. Dernière partie du verset. La'allakum tattaqoun. Ça veut dire qu'il y a une certaine piété qui va devoir émaner, mais écoutez-moi bien, on sait très bien que même en langue arabe, quand il y a deux fois ta au début, tattaqoun, ça veut dire qu'on parle d'une action que normalement tu es déjà dans un élan, mais il va y avoir encore mieux. Ça veut dire qu'en dehors du jeûne, tu étais déjà dans un élan, tu avances, mashallah. Tu es dans l'ibada, mais tarif Ramadan, normalement, quand tu vas terminer le mois de Ramadan, la'allakum, comment est-ce que vous allez être là à la fin? Pour que, normalement, trois petits points, vous arrivez à une piété, mais tabarakallah, hyper élevée. Ça veut dire qu'il y a un changement.
D'où nos savants nous disent que le mois de Ramadan est un mois de réforme, changement du croyant. Ça veut dire le croyant qui a commencé le jeûne, wallahima, il est le même à la fin de Ramadan. Impossible. Impossible. Posez-vous la question, Inch'Allah, à la fin de Ramadan. Si tu es le même type, ou bien la même sœur, alors qu'il y a un problème. D'office, il doit y avoir un changement. Mais il y a un problème, Shabab. Il y a un problème. C'est aussi le mois du Coran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi, al-Qur'an, qui est une guidance. C'est-à-dire, c'est le mois de Ramadan. Durant ce mois, le Coran a été révélé. Alors, il y a un autre problème, Aoud. Ben, on va expliquer les deux problèmes. Le premier, c'est par rapport à ce jeûne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Men, écoutez-moi bien, celui qui mène, sama Ramadan. » On entend tout le temps, c'est moi. C'est hadith afwan. On les entendra tout le temps pendant Ramadan. Tous nos mashayikh vont vous répéter depuis le premier jour jusqu'à la fin. « Men sama Ramadan. »« Imanan wahtisaban. » Gardez ces deux mots. « Imanan » Imanan wa wahtisaban. « Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » Et dans l'autre version, « Men » قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام ايمان قام celui qui a jeûné, celui qui a veillé les nuits de Ramadan, c'est-à-dire il a passé soirée à mashallah donc lire du Coran, invoquer Allah kada, la prière et autres, mais on te dit ايمانا avec foi et en comptant sur la récompense. Allahu akbar. Ah, la beauté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Simple phrase. Deux mots qui changent, mais elles sont lourdes. Pourquoi ? Parce qu'on te dit que pour que tu aies le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu aies un jeûne qui soit réussi, tu dois obligatoirement jeûner avec deux conditions très très importantes. Il faut la foi et en comptant sur la récompense. Iman. La foi, eh bien c'est là que vous allez voir les catégories qu'on a. Moi j'entends des fois, on corrige un peu certains jeunes qui te disent « Oh purée monsieur, cette année Ramadan c'est la mort hein ?» Tu fais semblant de rien, et pourquoi ? À 18h, hein, monsieur, t'es fou, c'est la mort. Et wallah, t'as des amis, ou là, des jeunes, ou, que ce soit un peu partout, quartier, l'école, tout. Tous les jours, ils te répètent l'âme. Chaque fois qu'ils te voient au cours, ils te font, ah, monsieur, wallah, franchement, parle sérieux cette année, 18h, hein, monsieur. Donc, il est en stress, un mois à l'avance. Il est mrouwen. C'est comme s'il voit Ramadan, comme si Allah fait, il voit l'adab, il voit du négatif. Alors que normalement, il doit être au courant qu'il devra jeûner comment ? Imanan. Ça veut dire que, quand chez nos savants, on te dit imanan, ça veut dire que tu dois avoir aucun doute, ni rejeter l'action, ni, entre guillemets, même pas un gramme où tu ne l'aimes pas. Tu dois l'aimer. Pourquoi ? Parce que tu le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit « Kullu amal bni adam lahu ». Ça veut dire chaque acte que tu fais, tu as des fois, dans des traditions, si tu fais telle chose, tu as dit « Hassana », tu fais telle chose, tu as 25, tu as 27, kada. Et le prophète me dit, et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, hein, il te dit « Illa siyam ». Là quand on parle de hadith Qudsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle dans le hadith, il te dit « Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibe ». Sauf le jeûne. Sauf le jeûne, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala directement et c'est une action qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui sait, la preuve en journée Ramadan, qui sait que tu manges ou tu ne manges pas ? Personne. Wallahi, personne. C'est un acte immense. Illa siyam fa innahu li, sûr et certain, inna, vous rappelez maintenant, vous êtes habitués, inna, c'est sûr et certain. Il est pour moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala avec le M majuscule. Wa ana ajzibe. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, et c'est lui qui donnera la récompense. Tu as la deuxième catégorie, c'est ceux qu'on appelle, entre guillemets, la routine. Tu vois, tu lui fais, frère, Ramadan, ça commence le 10. Ouais, à l'aise. Tu vois ? Ouais, si tu calcules bien, à quelle heure on prie l'achat ? Minuit ? Sobasta, quelle heure ? 3h30 ? Ah ben, tu sais quoi, ça tombe bien cette année. On va qassar jusqu'à 3h30. Après, si tu darab bin na'sa jusqu'à 14h. Puis un tour au quartier, puis tu rentres, puis tu kailou là comme ça, toi, un petit djbida, ça va donner 18h. Puis il y a le fitness, ouais, il y a le club à 18h. 20h, ça donne, tu rentres de nouveau, à peine tu changes la douche, à 21h30. Non, à l'aise, frère, c'est bon cette année. Non, c'est bon, le programme, il est bon. Ça, c'est qui nous raconte ça ? Ça, c'est les parents de Sakin qui viennent. Avant que je vienne à Ndars, en semaine, un père image. Comme ça, il m'a dit, c'est Haddash, Allah, rahmou alaydin. Vous allez faire comme d'habitude sur Ramadan ? Je dis, ouais. Allez, s'il te plaît, qu'on qu'ils arrêtent de dormir. Ittaqiullah. Ah, je dis, Ahmed, c'est bien, chef. Il m'a dit, Allah, yaouti. Mais il parle de ses enfants. Il me dit, il dort jusqu'à 16h.
Il me dit, quand il se lève à 16h, 1h, fait la douche, il sort, il va se balader, il tourne, il rentre jusqu'à 19h, 20h. Après, il s'assied devant la télévision, 22h, il est là. Hada Ramadan, combien il y en a qui le font? Wallah, il y en a plein qui le font. 30 jours de na'az. Et cette année, c'est plus grave, ya Shabab. Écoutez-moi bien. La preuve, ce que je vous raconte maintenant, vous savez, nous, à notre âge, qui avons, donc, alhamdoulilah, c'est bien. C'est tous les 30 ans que Ramadan est pendant les vacances. Sahoulala, ya Shabab. Tous les 30 ans, quasi. Donc, nous qui avons la quarantaine d'années, on a jeûné il y a 30 ans pendant les vacances. Donc, ce qui veut dire que, machallah, en 30 ans, on a goûté au jeûne toute l'année. Donc, on a jeûné juillet, août, septembre, octobre. 30 ans, il faut. Hein. Vous savez, chaque jour, chaque année, c'est de 10 jours, ça décale. Donc, 30 ans. Eh bien, cette conférence que je donne aujourd'hui, c'est comme si, entre guillemets, on ne la donne que tous les à peu près 30 ans. Parce que vous savez bien que Ramadan, pendant juillet, août, il va rester que quelques années. Regardez, maintenant, il commence vers le 10 juillet. Ça, à peu près. L'année prochaine, il va se retrouver fin juin. Dans 2-3 ans, c'est fini. Il a quitté juillet, août. Ça veut dire que ce que je vous raconte maintenant, wallahi, on ne va le redire que quand? Que dans 30 ans. Allahu Akbar. Regardez le temps, comment il passe. Nos mashayikh, ils nous le racontaient à la mosquée, quand on était à Al-Khalil et autres, ils nous racontaient ça, cher Mohamed, il y a plus de 30 ans. Alash, parce que cette année, vous êtes dans un examen très très dur, qui est que Ramadan est tombé pendant les vacances, qui est que certains d'entre vous vont aller au pays. C'est pour ça qu'on l'appelait Ramadan et les vacances. Je crois que j'allais vous parler de vos vacances, ça, comme les vacances ici. Mais c'est pour vous dire, faites attention, cette année, on a fait comme un jeu de mots. Il y a Ramadan, mais il y a les vacances qui sont là. Mais je veux quand même vous parler de vos vacances, qu'est-ce que vous croyez? Ah ben oui, il y en a plein déjà qui me disent, ça se voit direct. On est des musulmans commerçants, très malins. Il y a déjà des gens qui me disent, monsieur, donc cette année quoi, il n'y a pas la plage. Et pourquoi tu demandes la plage? Ah, parce que mon père il a dit, on va aller seulement le mois de juillet au Maroc et on va faire Ramadan, on revient. Il n'y a pas moyen, monsieur, de ne pas nager. Alhamdoulilah, c'est bien, Allah, c'est pas interdit de nager. Pas interdit. On va expliquer après, mais quand tu l'embêtes, tu dis, mais là, j'ai un frère. Allah t'a donné ce groupe-là qui est un peu bizarre, il oublie une chose. C'est qu'Allah t'a donné un bienfait qu'Allah ne va pas le donner à des millions de personnes sur terre. Vous savez lesquelles? Eh bien, si vous êtes des habitués de la mosquée, vous allez voir qu'Inch'Allah, si Ramadan, un exemple, il commence un lundi, wallahi, vous savez combien de gens vont mourir le dimanche soir? Vous savez combien vont mourir dimanche soir? De par le monde, combien de musulmans vont mourir? Qui ne vont pas avoir l'occasion de jeûner et de gagner ce pardon. Mais on se dit qu'Inch'Allah, ils l'auront d'après l'intention qu'ils avaient. Parce que quand quelqu'un idée et dit, Ya Allah, fais en sorte, Ya Rab, que je sois présent durant Ramadan pour que je gagne ton pardon, nos savants nous disent qu'avec l'intention qu'il avait, narjou min Allah subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa al-qaboul, et qu'il accepte justement l'invocation qu'il a fait. Combien vont mourir le dimanche? Combien, quand j'étais fil merkez, le lundi? Parce que pendant les 12 ans au centre islamique, je ne pouvais pas voyager pendant Ramadan, j'étais responsable du programme avec le cheikh Mustafa Kastit. Ramadan, on était là pendant 12 ans d'affilée. Wallah, on a voyagé pour Ramadan avec cheikh Abdelaziz Yahya Hafidahullah. On n'a pas voyagé. Donc on voyait de nos propres yeux. Hatta même, wallah, le lundi par exemple, le premier jour de Ramadan, des fois ça nous faisait un pincement au cœur. Vous savez pourquoi? On nous appelait de la réception, l'akhrajams qui nous appelait, il disait, venez, il y a une janaza qu'on doit monter, il y aura la prière à Dhor. Quand ça? Le premier jour de Ramadan. Wallah, ça nous faisait, on pleurait de l'intérieur en se disant, Allahu Akbar. Mskin, il a jeûné combien? Des fois quand la famille était là, on va, on s'élève, c'est notre métier, c'est de l'espionnage halal. On leur demandait, on leur disait, Mskin, il est mort aujourd'hui, tout le monde, il te dit, il est mort hier, ça c'est ceux qui étaient morts le dimanche. Quand c'était quelqu'un qui est arrivé des fois le lendemain, il arrivait que la personne, par exemple, est morte la matinée, et parce que c'est les vacances, wallah, écoutez bien, la personne était lavée directement l'un seul, c'est des morts naturelles à l'hôpital. Ça prend 5 minutes. Pourquoi? C'est très drôle à dire, c'est comme ça, alhamdoulilah, parce que comme tout le monde part au bled, même à l'hôpital c'est calme. Donc le gars, on le lave en une heure, il est déjà lavé. Ad-dhur, ou bien l'asar, il est chez nous à la mosquée. Et quand tu demandes aux parents, tu dis, il est mort quand? Et tu dis, il est mort à 9h du matin. Et il était saïm, il était à jeun. Des fois, on teste pour aller plus loin, et tu dis, na'am. Même malade, il te fait mskin ken kibki. Il savait que certains qui savent qu'ils ont le cancer fini, ou là, ça dépend de certaines maladies. Et il te dit, il pleurait. Combien il a jeûné? 2 heures. 2 heures.
Et même ces 2 heures, wallahi, elles sont immenses dans la balance. Et comme ça, tout le mois de Ramadan, ceux qui travaillent dans une mosquée, par exemple, comme ici et autres, ils vont voir chaque jour un mort. Et on y va. Et tu vas trouver un, il a jeûné un jour, 2 jours, Allahu Akbar, 3, 5, jusqu'à arriver à celui, subhanallah, où si ça nous faisait, ça donnait de la joie. Celui qui mourait le 29e jour. Ça veut dire qu'il a jeûné tout, et le soir de l'Eid, Allahu Akbar, il meurt. Ah, au-dessus là, Allah, on était heureux pour lui. Pourquoi? Parce qu'on se disait, si il a mis en pratique la tradition qui dit qu'il a jeûné, mashallah, avec foi, et en comptant sur la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés, et il meurt quand ça? Le dernier jour de Ramadan, Allahu Akbar. Et nous, on a des personnes qui te disent, purée, Ramadan, casse-tête, kada, ouah, yastane, ouah, ceci, ouah, cela. Je ne vous parle même pas des jeunes qui sont venus, par exemple, à la fin de l'école. Vous savez, maintenant, tout le monde a reçu ses bulletins aujourd'hui, kada. Par exemple, il y en a qui sont venus chez moi, t'as l'examen de passage, qui me fait, ah, monsieur, ils m'ont donné 6 examens de passage, monsieur. Ça va être dur, Ramadan. Je peux manger? Moi, je vais te manger. Moi, je vais te manger, alors. Je me une plus. Et pourquoi il me fait, non, mais c'est bien, monsieur, 6 examens à la tête, le ventre. Yeshabel. Des fois, il y a une cette déglingue, la mort, des fois. Wallah, tu te dis, ah, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Mais alhamdoulilah, en positif. Wallah, en positif. Pourquoi? Moi, je préfère, wallah, des jeunes qui sont à l'état naturel, et au moins, tu peux travailler, que ceux qui ont des fois des 2 visages. Et vous savez, ceux qui trafiquent, ça, c'est un autre groupe. C'est ceux que tu crois que, mashallah, tout avance bien. Mais la journée de Ramadan, elle est comment? Elle est mrouille. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il entend? Où vont ses pieds? On va le voir après. Et puis tu as, mashallah, la catégorie, le top. C'est ceux qui, et j'espère, inshallah, que vous serez tous de cette catégorie-là et qu'on sera tous de cette catégorie, c'est ceux qui vont serrer la ceinture et qui vont se dire, had le mois de Ramadan, c'est un investissement où ça passe ou ça casse. Allah subhanahu wa ta'ala va me permettre de jeûner, je ne le sais pas, lakin s'il me permet de jeûner, je ne rate pas une heure de ce jeûne. Je ne rate pas une heure. Mais, je vous ai dit, c'est très difficile. Parce que si tu n'as pas jeûné pendant l'année, wallahi, c'est très difficile. Ceux qui sont parmi vous très très malins, qui se rappellent de nos conférences, eh bien maintenant ils m'ont compris. Quand l'année passée je vous disais, s'il vous plaît, Yashabab, et chaque année, mais ça fait 22 ans que je fais les doros, chaque année j'ai la même blague. Je leur dis tout le temps, à la fin, quand Ramadan va approcher, que je fais soddar sur Ramadan, je leur dis toujours, l'ard alikoum Yashabab, après Ramadan, entraînez-vous toute l'année. Ça marche à tous les coups. Tu as de nouveau tout un paquet qui ne s'entraîne pas, qui ne jeûne pas. Profite pas. Parce qu'il y a un acteur qui va vous casser vos actions. Et vous savez c'est qui c'est? Satan, la'anoullah. Al-Shaytan, la'anoullah, il sait que le jeûne, c'est une fois par an. Et il sait aussi que le jeûne, il est fait de, entre guillemets, de 30 jours ou 29 jours. Mais il sait que ces 29 jours, c'est comme des paquets. Ça veut dire, dès que tu es arrivé à l'heure de l'maghrib, il sait que, mashallah, une journée est comptabilisée. Donc il va faire tout son possible, ya shabab. Tout son possible pour te casser jour après jour. Écoutez bien, jour après jour, heure après heure, minute par minute, seconde par seconde. Wallah, mais il te lâche. Il va pas vous lâcher. Parce qu'il sait que Ramadan est comptabilisé chez nous jour après jour. Dès que tu termines à la prière d'Al Maghrib, tu fais ta dua et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte ton jeûne, lui ça le tue. Ça le tue, Wallah, ça le tue. Parce qu'il sait que c'était sincère et tu as fait tout ton possible, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, accepte ton jeûne. Mais de nouveau, je reviens à la même remarque. Est-ce que tu vas être assez fort et entraîné pour profiter de toutes les heures qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner? Yallah, est-ce que tu vas être assez fort? Ou bien tu vas faire un jeûne de routine? Comme a dit le Prophète, certains d'entre nous, Allah, ils ne vont gagner que la faim et la soif. Ça veut dire qu'il va crever de faim en journée. C'est le type, t'entends tous les 5 minutes, il se plaint. Il passe dans la cuisine, oh, j'ai mal, oh, j'ai faim. Ah, tu rigolais. On est parents, c'est ce que c'est. Chaque fois qu'il passe, ah, le pire. Combien il reste? Combien? Oh, pire encore ça. Imanan wa ihtisaban. La'allakum tattaqun. Est-ce qu'on a compris ces notions? Donc, il ne suffit pas de se dire, ah, c'est quoi la conférence aujourd'hui? Ah, Ramadan. Non, ça l'est, je connais. Non, Allah, moi, on connaît. C'est trop difficile. On va plus loin. Quel va être ton programme, Ramadan?
On a dit, Mashallah, man sama. Et rappelez-vous, le deuxième hadith, c'était men, qui se rappelle, men, qama. Il va veiller. Ah, nous, on a déjà un problème là. Nous, on a mal compris le hadith. Wallah, on a mal compris. Vous savez pourquoi? Alhamdoulilah que dans certaines communes, certains bourgmestres, ils ont changé certaines lois. Vous allez me comprendre. Il y a quelques temps, pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai pas besoin, je ne citerai ni nom ni quoi que ce soit. Il y a quelques temps, dans certaines communes où il y avait beaucoup de musulmans, wallahi, la journée, t'avais des, les cafés étaient fermés. Ça, oulala. Et comme certains, je vais parler au pluriel, comme ça on ne sait pas c'est qui, comme certains bourgmestres, ils fermaient les yeux pour ne pas qu'il y ait ruina, les cafés ouvraient quand ça? Juste après le Maghreb. Hatta même, wallah, il y avait des cafés, mais jazakallah, ils avaient une bonne intention, ils ouvraient al-Maghreb pour que des fois, ceux qui n'ont pas, vous savez, des gens qui vivent seuls, là, ou là, des sans-papiers, kada, qui ont 1 euro, 2 euros, ils venaient pour vite ftar, un café, un rifa, kada. Jusque-là, c'est bon, jazakallah, mziyan akhi, c'est bien. Et après, wallah, le café qui restait ouvert jusqu'à 3 heures du matin. Et on fermait les yeux parce qu'on disait, wallah, ça te fait mal au cœur, mais on disait, laissez-les tranquilles, parce que. C'est le ramadan, ils sont un peu énervés, il faut pas les... Les arabes sont énervés quand ils jeûnent. Ils tapent. Ils te bouffent le type. Je sais pas, ils te voient comme si c'était un poulet qui marche. Il faut pas l'énerver. Là, j'ai grandi à Moulumbe, vous savez de quoi on parle. Il faut pas les énerver, purée. Là, une des dernières émeutes qu'il y a eu chez nous, c'était laquelle? Vous vous rappelez? C'est à cause d'une baguette, un pas français. Wallahi, rue Comte de Flandre, boulangerie. Type, il sort, il reçoit une amende, il prend le kumera et il la frappe sur le policier. Wallah, ikhwan. Non, normalement, ça ne fait pas rire. Je vous comprends, mais ça ne fait pas rire. Wallah, max, ça fait rire. Il la frappe sur le policier. Ar, la honte. La honte de la honte. Il la frappe sur un policier. Et j'ai vu de mes propres yeux des parents aux fenêtres qui disaient Fr'u babahoum. Quand les policiers sont sortis, wallah, il a dit ça de mes propres oreilles, comme ça. De la fenêtre. Fr'u babahoum. Ramadan. Avant le Maghreb. Wallah, max, ça fait rire. Imanan wa ihtisaban. La'allakum tattaqun. T'as même des bourgmestres qui sortent des papiers. Chaque ramadan. Sort un papier. Avis aux musulmans. Ils mettent avis à nos citoyens musulmans. Nous tenons à vous rappeler, wallah, certains ils savent déjà de quoi je parle, hein, parce qu'ils l'ont déjà lu. Nous tenons à vous rappeler que durant ce mois de ramadan, ils faisaient des félicitations, et ils rajoutaient, la personne rajoutait, s'il vous plaît, écoutez bien, respectez les voisins, faites pas de bruit la nuit, criez pas dans la rue, que l'on a lâché les bêtes, tu vois, lâcher les bêtes, ah, ils sortent, ils vont crier là, à l'aise parce que la journée ils sont retenus. Pas comme tu prends quelqu'un, tu mets dans une cage, tu l'enfermes, puis tu ouvres la cage après des heures. Comment il saute? Quand il ne crie, hey, ne criez pas dans la rue. Ne. Et de qui on parle? Avis aux citoyens musulmans? Man sama ramadana, man qama ramadana, imanan wa ihtisaban, la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Le ramadan, c'est le mois des chauves-souris. Ça veut dire, le musulman, la journée, tu ne le vois pas. Personne n'a non grata, il est inconnu au bataillon. Et la nuit, lâché, sort. C'est l'inverse, les chabab, wallahi. C'est l'inverse. Ça veut dire, même s'il sort la nuit pour aller normalement à la mosquée prier, il est inconnu, on ne sait pas où il est. On ne l'entend pas, parce qu'il est le musulman, celui qui respecte le voisin. Vous avez entendu, celui qui respecte le voisin. On a même des communes qui doublent l'effectif de police. Vous savez quand? Pas quand il y a Anderlecht contre Standard, classico de Belgique. Non, c'est quand il y a Ramadan. Mais oui. C'est quand il y a Ramadan. Au lieu de 500, on met 1000 policiers. Alèche, il faut surveiller les musulmans. Ils s'énervent. Pourquoi ils s'énervent? Ils jeûnent. Tu te mets à la place d'un non-musulman, dans sa tête, il doit se dire, jeûner est égal nervosité. Jeûner est égal frapper. Jeûner est égal, pas déranger. Pas déranger les voisins, non, pas déranger le jeûneur. Pas déranger, hein, parce qu'il tape. Ça, c'est, on ne doit plus entendre ce genre de discours que je raconte maintenant. Inch'Allah, vous verrez pendant Ramadan. Bon, je ne serai pas là, je vais voyager, Inch'Allah, mais s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles et vous verrez.
Et si ça change, Allahu Akbar, c'est une joie. Mais vous allez voir, dans certains quartiers, ça sera de nouveau la même, ou bien le même cinéma, ou l'aïdou billah qu'il y a. Mais on te dit, man qama. Donc je reviens. Had al-qiyam, ya shabab, c'est nuit qu'on est censé passer dans l'adoration. Vous savez ce qu'on vous dit. Une des meilleures, écoutez-moi bien, adoration, la prière qui va y avoir. Sahoulala, tarawih. Mais les jeunes, comme on a passé notre vie dans les mosquées, une des remarques qui vient tout le temps, souvent de certains de nos jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils te disent, ah monsieur, ah, l'imam là, il est fou, hein, là, il est fou. Là. Une heure et demie, il a fait aujourd'hui. La ayak aujourd'hui. Ah, frère, c'est le mois de... T'as prié normalement toute l'année, ce mois tu boostes. Tarawih et tout ça. Ah non, mais monsieur, il est resté 12 minutes. Il a déjà calculé, donc priez quoi. Et donc, elle fait 12 minutes. Elle allait me tuer, hein, monsieur. Allah, j'étais mort à la fin. Et ouais. Il y en a qui t'avouent, qui te disent, au milieu, j'ai harab, je suis parti. Et t'as été où? Ben, chez nous, au centre islamique, pendant 12 ans, je les ai vus grandir, tous dans le parc. 1h du matin, dans le parc. C'est vrai ou pas, les jeunes? Dans le parc. D'autres qui vont peut-être, maintenant, ceux de l'Amal qui vont peut-être aller ici, juste là où il y a le métro, sur la petite place. C'est vrai ou pas? Vous m'arrêtez direct, il lève la main, il dit, mais non, Oudou Billah, monsieur, t'as des visions ou quoi? Mais non, c'est faux. Ben, on va aller là-bas, sur la petite place. Et on va rester Qassar à l'aise. D'autres, ils sont meilleurs. Ils restent dans la mosquée, mais Qassar derrière. Et chaque fois, qui est l'imam, il doit... Allez, frère, je ne parlais pas. Ou bien si vous parlez, parce qu'on a peur des fois qu'ils font une émeute à l'intérieur, si vous parlez, ne parlez pas trop fort. Bon, là, c'est la vérité. Il y a plein de jeunes qui vont profiter de Ramadan. Quel quoi? On va le Qassaf Jama'iyat Draria. On se fait rendez-vous. Quelle mosquée, frère? On fait quelle mosquée aujourd'hui? Toi, tu dis, Mashallah, ils vont faire une de ces mosquées pour taper un de ces Qiyam Lelj. Quel vous gère? Non, c'est pour. Ils font un programme. Ils me le disaient quand j'allais discuter avec eux, par exemple, Felmer, que je dis, les gars, vous venez de quelle commune? Là, certains disent, je viens de Scarbe. Tu viens jusqu'ici pour Qassar. Regarde ce qu'il dit. Il dit, non, chez vous, c'est mieux. Parce que c'est vrai, au centre Sami, qu'on n'a pas comme dans une mosquée les responsables de la mosquée. On a un directeur du centre, mais c'est très, vous savez très bien, protocolaire. C'est bureau, CADA. Donc, ce n'est pas le directeur qui va venir saoudien derrière, chez les gens, lui dire, tais-toi, parle pas. Comme dans les mosquées comme ça, oui. T'as le mqaddam, t'as le responsable qui veut venir derrière, ah, silence, kada. Non, le merkez, il y a une liberté, subhanallah, c'est incroyable. Les jeunes me le disaient, ils me disent, monsieur, ici c'est à l'aise, il n'y a personne qui te parle. Après, même si quelqu'un vient t'embêter, regardez la différence. Si tu fais ça ici, par exemple, le vieux, il appelle le responsable, il vient à 4, il soulève ton vieux corps, il te le dépose dehors. C'est de la physique, moi, c'est très. Il y en a qui ont déjà. C'est très. Mais Filmer, qu'est-ce qui va te bouger là? La preuve, si tu dis à quelqu'un, il va dire qu'est-ce qu'il y a? Appelle-moi un responsable. Tu crois que le Saoudien, il est le premier rangé, il va venir chez toi derrière? 2500 personnes jusqu'à 5000 Faramadan. Wallah, il venait jusque là-bas, Qassar. Les pétards. Les pétards. Il y en a ou il n'y en a pas? De nouveau Faramadan. Ah là, je vous en parle, j'ai là un indien et témoin, Wallah. 12 ans que j'ai vu ça. Donc si quelqu'un oserait me dire non, Kada, Wallah, je le clash direct, je lui dis, je ne te pardonne pas devant Dieu jusqu'à ce qu'on vienne témoigner à deux. 12 ans, Fulmerkes, 12 ans de pétard. Et chaque année, le comité des riverains vient tout le temps, moi je dois traduire au directeur, et ils viennent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous arrive durant ce mois? Pourquoi autant de vacarme? D'où vient le mot Ramdam, hein? Allez voir dans le dictionnaire. Pourquoi autant de vacarme? Pourquoi? Toute l'année, on ne vous entend pas. Pourquoi pendant le Ramadan, vous nous faites ces problèmes-là? Des voitures stationnées, même sur le trottoir. Wallah, sur l'endroit où toi, tu marches. Double. Garage bloqué. La'allakum, zid, tattaqun. Allahu Akbar. Quelqu'un qui craint Allah, qui a la piété, qui veut augmenter sa piété, il ferait cela? Jamais de la vie. La prière, je disais. Vous comprenez pourquoi, pendant l'année, quand dans certaines conférences, je vous disais, Yachabab, s'il vous plaît, entraînez-vous, rappelez-vous, je vois des têtes déshabituées, est-ce que je ne vous disais pas tout le temps, habituez-vous à vous lever avant la prière du Sobh pour faire ne fût-ce qu'une demi-heure de rak'at, qiyam layl, sahoulala. Eh bien, quand quelqu'un s'est entraîné toute l'année à se lever chaque fois, wallah, et maintenant, quand Ramadan va venir, il va le ressentir. Il va être fier, wallah, il va être fier. Pourquoi? Il a entraîné son âme à être tout le temps debout face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est fier, il est à l'aise. Mais même comme ça, il y a un problème. Vous savez pourquoi?
Parce que comme un perroquet, je vous ai répété depuis des années, la langue arabe. Donc on va avoir une catégorie qui va prier très bien, mais qui ne va rien comprendre. C'est vrai ou pas? Ça c'est décevant, Sarah. Wallah, ça fait mal au cœur. Tu sais pourquoi? T'imagines, tu viens en face de moi et je te parle pendant une heure en français, et toi tu es un chinois. Et pendant une heure, je raconte ma vie. Et à la fin, le chinois, il t'écrit, parce que c'est ce qu'il a entendu un jour, « No comprendo », il t'écrit « No comprendo ». T'es comment après une heure? La moindre des choses, tu vas dire « Purée, il fallait me prévenir au début, une heure que je parle, tu vas pas aimer. » Ça, oulala. Maintenant, je vais renverser la situation. Est-ce qu'on ne trouve pas des fois, entre guillemets, hein, aujourd'hui on est un peu sec, c'est de temps en temps, est-ce qu'on ne trouve pas un peu honteux de venir face à celui qui nous a créés, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on écoute sa parole, mais c'est comme si au même moment on lui dit, je ne sais pas ce que tu racontes, je ne sais pas. Oui, de temps en temps, si on arrive à Sourat Youssef, ça peut arriver que le jeune, il te fait, il n'a pas parlé de Youssouf. J'ai entendu un nom, Youssouf. Ah, c'est pas l'histoire avec des loups ou bien des... Oh oui, un type, ils ont jeté dans un trou et tout ça, c'est des fois les amis me racontent. C'est pas le type qu'on a jeté dans un trou. Quel type? Je crois que t'es au quartier, hein, Mfilis. Comme ça, Allah dit, c'est pas le type qu'on a jeté dans... Si, monsieur, Allah, c'est lui. Le type, là. Le prophète, là, hey, les gars, on va rester tout le temps dans des petits trucs bizarres comme ça entre nous. Eh bien, Msakin, ils vont un mois, ils vont prier. C'est pas ce qu'ils se racontent. C'est pas. Si tu avais l'arabe, Wallahi, tu verras. Tu goûteras la prière, mais comme tu l'as jamais goûté de ta vie. Pourquoi? Parce que à la fin de la prière, tu sais l'imam où il est arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier jour de Ramadan, écoutez-moi bien, je vais en arrière. Le premier jour de Ramadan, tu sais que l'imam va commencer avec Alif Lam Mim, Dalik al-Kitabu, La Raiba Fi. Masha'Allah, ça veut dire que tu vas vivre pendant un mois avec le Coran, lequel, celui-là où il n'y a aucun doute dedans. La Raiba Fi. Et tu commences par un Ijaz, Alif Lam Mim. On attaque directement les Quraïchites, les spécialistes dans la langue arabe, les poètes. Et on leur dit, et Allah, vous êtes des petits spécialistes, apportez quelque chose qui ressemble à ce Coran, parce qu'on vous clash à la seconde et on vous dit Alif Lam Mim. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Trois lettres, on ne sait pas. Mais toi qui connais l'arabe et qui a été un peu lire parce que tu as préparé ta soirée, la meilleure prière, c'est celle que tu prépares, subhanallah. Ça veut dire que tu arrives à la mosquée et tu sais qu'aujourd'hui tu vas vivre avec Alif Lam Mim. Donc dès que tu dis Allahu Akbar, tu ressens la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va plus loin, tu vis avec sa parole. Et imagine quand Allahu Akbar, Alif Lam Mim, toi tu es là, Wallah, et tu es dans le vent. Tu es dans le vide. Qu'est-ce qu'il dit? Manaraf, je sais pas. De quoi il a parlé? Je sais pas. Un point, cela je la raconte chaque année, parce qu'elle, c'est la plus belle que j'ai eue Ramadan. C'est, on termine, on était Ftarawih, à Merkez, on fait toujours une entraque. Je termine, on se lève, et puis à un côté, il pleurait. On était dans une sourate Al-Adab et il pleure. Puis un jeune, il me regarde, il fait c'est vrai? Il me dit, il est jeune. Pas bien, c'est pas vite. Puis quand il pleure, le type, il me fait. Ah, je lui dis. Ah bon, on est habitué maintenant. On est devenu des docteurs, des médecins. Je lui dis, et pourquoi tu crois qu'il est jeune? Il dit, comment il pleure hein? Je lui dis, au fait, c'était quoi la sourate qu'il a lu aujourd'hui, l'imam? Il dit, ah, je comprends pas l'arabe, monsieur. Je dis, toi, le jeune. Bon, on peut se permettre, il respecte encore un peu. Je dis, Allah, c'est toi le Mijnoun. Je dis, lui, il comprenait ce qu'il se disait. Et il était à fond dedans. Il était dedans, je dis. Il a plongé dans la sourate. Je dis, mais toi, tu n'étais pas là. Alhamdoulilah, bon. Hein? Alors, c'est bien, ils veulent demander, oui, mais comment on va faire? Voilà, inscris-toi à des cours, fais ceci, fais cela. Mais je m'excuse de vous le dire. Allah, désolé les gars, hein, mais certains, voilà, Ramadan va commencer. Lift, hein. Allah, ils vont venir, Allah Akbar. Et ils vont entendre que des voix. Oui, il y en a qui vont capter que c'est un bon son à la mosquée. Tous les Bose ou je ne sais pas quelle marque. Ils vont dire, oh, purée, t'as vu, par exemple, Cheikh Bouselam, Hafidallah, il est bien. Ils vont se dire, oh, purée, ce lecteur, bon, avec l'écho. Oui, il disait quoi? Non, mais c'était bien. Eh les gars, t'appelles ça une prière de Manqama Ramadana? Sincèrement. T'imagines vivre dans le vide pendant un mois? Oh les gars, il faut être stone. Allah, il faut être tapé. Billah, l'adim, il faut être pas bien. Hein? Pendant un mois, qu'est-ce qu'il dit? Manaraf, tu rentres à la maison, ta mère. Quelle sourate vous lui dit là lui aujourd'hui? Manaraf. Manaraf, on t'appellera plus Abdel. Tu vas devenir Manaraf. J'ai un Manaraf. Wallah, imaginez, fermez vos yeux 10 secondes maintenant et imagine-toi 30 jours où tu ne sais pas ce qui se passe sur la terre.
Le gars, il lit, tu ne sais pas ce qu'il dit. Des types qui pleurent à gauche, à droite, et toi, tu es là comme un... Même tu es là, tu dis, purée, qu'est-ce qui se passe, voyons. Ah ouais, parce qu'il y a des sourates, vous allez voir. Les gens vont, certains vont entamer les pleurs ensemble. Et toi, tu es là, qu'est-ce qu'ils ont, ces types? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils vont s'arrêter ensemble. Je vais dire, oh. Et des fois, il se peut que tu vas même changer de mosquée, parce que tu vas croire que c'est une secte. Allah, alors qu'ils sont en train de dire Al-Haqqa, tout mal-Haqqa. Ça, le type, il a des frissons déjà. Toi, tu crois que c'est une secte? J'étais pris dans une mosquée dingue. Ils pleurent ensemble, ils arrêtent ensemble, ils démarrent ensemble. Non, les gars, c'est parce que dans le Coran, vous allez voir, quand on vit avec les 60 hizbes pendant un mois, c'est ça qui est beau, Ramadan. Tu montes et tu descends. La foi, elle monte de jour en jour. Pourquoi? Parce que chaque verset va te montrer la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des versets qui vont te donner des tartes, qui vont te rappeler ta manière d'adorer, que tu es loin. Il y a des versets qui vont te remonter le moral, où tu vas voir, mashallah, des versets qui te parlent du pardon, d'après la situation où tu étais. Il se peut que tu avais commis une erreur ce jour-là. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. T'es heureux. Mais là, tu sais pas. Toi, t'es là, il ne sait pas. Termine. Tout ce que tu sais, c'est. Oh, purée, il a lu long aujourd'hui. Hein. Il nous a crevé aujourd'hui. Oh, il est balèze. Hein. La récompense, alors, elle est calculée comment? Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est rahmanur rahim. Wallah yashada. Alhamdulillah qu'il est clément. Alhamdulillah. Et qu'il nous récompense d'après notre intention. Mais nos professeurs, ils nous le disent. Et je ne veux pas vous le cacher. Il te dit l'intention quand tu as une vraie excuse à côté. Mais si pendant l'année, tu as préféré aller t'inscrire au fitness 3 fois par semaine, mais tu n'as pas été investir pour 2 fois par semaine apprendre l'arabe, wallahima, c'est une excuse devant Dieu. Et je pèse les mots. Wallahi thumma wallah. Ce n'est pas une excuse. Ton vrai fitness, c'est d'abord alors la langue arabe. Pour que tu fais, ou tu fasses plutôt, dans le futur, le fitness de l'âme et du cœur. Et après, mashallah, allez, qu'il y a moyen. Ceux qui veulent, ils peuvent. La preuve, les gars, même si la tête, ça ne donne pas une tête de footballeur, j'ai été footballeur, au fait. Je vous l'ai déjà dit, non? Donc là, j'étais footballeur jusqu'en 3e provincial. L'équipe d'Atlas, vous vous rappelez les anciens? J'ai joué à Atlas. J'ai fait le foot, la théologie et les études à l'école. À l'étroit, 7 sur 7, wallahi. Et à partir de 17 ans, quand j'ai arrêté le foot, au centre islamique à l'Institut supérieur. Samedi, dimanche, de 9h jusqu'à 18h les cours. Pendant plus de 3 ans. 3 ans, hein, c'est pas un an. 3 ans d'affilée. Pas de week-end. Viens pas me dire que c'est pas faisable. Wallah que c'est faisable. Mais qu'est-ce que tu as comme volonté? Est-ce que tu veux continuer à rester le même qui croit qu'il est à l'aise parce qu'il vient à une conférence? Parce qu'il a écouté un truc sur YouTube qui parle d'Allah, qu'Ada subhanahu wa ta'ala, et tu dis c'est bon, j'ai eu ma dose? Ou bien tu crois que tu as rendu service à Allah subhanahu wa ta'ala en disant ouais, mais j'ai écouté 1 heure? Non! Wallahi, tu ne rends service qu'à toi-même. Tu ne sauves que ton âme, yeshabab. Et la meilleure, c'est le top, c'est ce que j'essaye de vous casser la tête pour que, inshallah, vous commenciez cette année en septembre d'une autre manière dans vos cours, c'est que j'espère que tu commences alors à vivre cette prière. Et la prière, ya shabab, tu ne pourras t'entraîner que si tu es un habitué de la mosquée, spécialement vous les hommes. Et toute l'année, tu vas entendre l'imam, spécialement la prière de l'Maghrib, de l'Isha, tu sais, les prières à voix haute, la prière de Sob, entendre les sourates, rentrer, pouvoir les décortiquer, voir les mots en arabe, voir en français. Et là, tu vas vivre avec le Coran. Là, tu pourras, alors, Inch'Allah, demander ce fameux ou cette fameuse récompense qui est le pardon pour celui qui a fait le Qiyam Layl. Amma, si tu ne l'as pas fait toute l'année. J'ai peur que ton intention soit mauvaise parce que tu vas commencer à le faire pendant Ramadan et le 30e jour de Ramadan, tu vas tout arrêter. Vous savez très bien que le dernier jour, il n'y a pas de Tarawih. Ça, oulala. Et c'est là que certains ils disent, oh purée, ça a été douloureux. Tranquille, il n'y a plus maintenant. J'ai même vu de mes propres yeux, au centre, des jeunes qui ne savaient pas que le dernier jour, il n'y a pas. Des nouveaux. Et il vient. Puis dès qu'il rentre, il lui fait, il dit, ah, il n'y a pas de Tarawih. On lui dit, non, il n'y a pas. Il te fait, ah purée, à l'aise, alhamdoulilah, ouais. Quoi? Fait ouais, parce que c'était hard, hein, c'était fou. Bah, j'ai fait tout le mois, je tenu, c'était chaud. Ben, Miskine, il n'est pas mauvais, wallahi. Son intention, elle est, pour lui, elle est sincère. Mais nous, d'être les petits médecins, là, entre guillemets, de la religion de l'autre côté, on se dit, on doit corriger 2-3 petits détails. Pourquoi? Parce que si cette prière a été une lourdeur pour lui, un poids, c'est pas bon. Il perd l'âge. Wallahi, il le perd. Si elle a été une lourdeur.
On doit automatiquement lui changer son intention, lui dire fais attention. Si tu as dit que c'était lourd parce que, jazakallah, t'avais mal au genou, je te comprends. Même moi, j'ai mal au genou. Jusque-là, l'intention, elle est bonne. C'est bien. Mais si tu me dis que c'était une lourdeur parce que c'est vrai, c'était long, là, le Coran, et tu me dis ça, Allah, c'est grave alors. D'où vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure, certains sont heureux que ça se termine, que ça s'arrête, Ramadan. Amma le vrai musulman, au sens propre du terme, wallahi ya shabab, il est triste quand Ramadan s'arrête. Sarahatan. Et on a vu ça de nos yeux. Et j'ai vu des mashayikh quand je traduisais, qui venaient donner le dernier dars de Ramadan, ils pleuraient. C'est comme s'ils parlaient à un ami qu'ils allaient quitter. Allahu Akbar. Ça, c'est des niveaux de foi. Ça, c'est un niveau de foi. Gardez ce que je vous dis maintenant et rappelez-vous de moi, Inch'Allah, le 29e ou le 30e jour. Si le dernier jour de Ramadan, tu sens à l'intérieur un genre de regret, tu es mal à l'aise, arafku wallahi, mashallah, t'as réussi, bindillah. C'est ceux qui te font le dars et ils pleurent. Eh, Juan, on quitte un moi immense, on quitte un ami immense, on quitte Kada, et tu entends ces discours-là. Ça, c'est le vrai Ramadan. Ya Shabab, on disait, et je vais clôturer avec un petit sujet, entre guillemets, qui peut paraître à l'aise, mais il n'est pas simple. Le jeûne, je vous ai dit tout à l'heure les membres du corps. Le jeûne de la langue. Vous allez voir de nouveau, tout ce que je vais dire maintenant, vous le connaissez. C'est pour ça que ça va être rapide. Lakin, mais on le répète chaque année parce que Satan, la'anallah, il sait très bien que l'être humain, il a certains membres. Écoutez-moi bien, il a certains membres. C'est pour ça que maintenant je vous dis ça. Pourquoi? Parce que vous avez encore presque, entre guillemets, presque, on va dire 12 jours, façon de parler, pour s'il vous plaît revoir certains dossiers. Il te connaît, Satan, la'anallah. Le prophète Hassan m'a dit, chacun d'entre nous, on a un karim. Ça veut dire qu'on a un accompagnateur qui est avec nous tout le temps, un Satan. Il ne te lâche pas. C'est sûr que des fois, des jeunes, ils me disent « Monsieur, c'est bizarre, je t'ai assis, j'ai vu un type, il a fait tomber 5 euros de sa poche, mais il me dit « Wallah, je ne sais pas qui a parlé dans ma tête. » J'ai commencé. Il me dit « Il y a un type par là, il me fait. » Tu vois, comment ils expliquent, c'est beau. Il me fait « Il y a un type par là, il me dit « Prends, prends. » Il me dit « Puis il y a un type par là, il me fait « Non. » Mais c'est qui ce type-là? Wallah, ça arrive. Ça, oulala. Ce Satan qui est avec toi, deuxième information, il te dit qu'il circule dans ton corps encore plus vite que la circulation sanguine. Hyper rapide. À la seconde. Il est furtif. Pourquoi à la seconde? Allah dit, donc, dans Surat al-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te dit, donc, donc on demande protection au début. On demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre qui? Contre Satan. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Il ne te le cite pas encore. Il n'y a qu'un pronom. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il dit? Qul a'udhu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min sharril waswasi al khannas. C'est quoi le khannas? Alladhi yankhanisu. C'est celui-là qui, très furtivement, va se cacher. Il fait quelque chose et il se cache. Et on retrouve ce même mot dans le hadith avec Abu Huraira radiallahu anhu. Hadith authentique, où un jour il était gêné, radiallahu anhu, il était en état d'impureté, il a vu le prophète arriver de loin, et il a été gêné parce qu'il pensait qu'en le saluant, il allait salir ou souiller le prophète. Et il dit, fankhanastu minhu, je me suis caché du prophète. Et le prophète, il l'a vu. C'est là qu'il lui a fait comprendre, le musulman ne souille pas son frère. Mais c'est pour te dire que, regarde son travail, comment il est. Mais, yuwaswisu fi sudurinnas, il vient dans ta poitrine et il t'envoie. Un exemple, un arabe musulman va t'énerver, tu vas te retenir, tu vas dire non, c'est Ramadan, c'est un musulman. Jean-Jacques, non musulman, va t'énerver, ah, pourquoi vous rigolez? C'est automatique, réflexe. Parce qu'il y en a qui ont rigolé, parce qu'ils trouvent que, ouais, Jean-Jacques, rentre dedans, réponds frère. Ah oui. C'est comme s'ils ont un texte qui dit « Ramadan ». Voilà, quels sont ceux qu'on peut éclater, ceux qu'on peut pré-éclater. Il y a des listes. Ça, tu peux, ça tu peux. Non, non, non les gars. Ramadan ou pas de Ramadan? Ceux qui ont éduqué leur langue, premier sujet, la langue. Celle qui va jeter beaucoup d'entre nous en enfer. Le hadith avec Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. On a déjà parlé dans les conférences, on a appelé sur les membres, kada. La langue. On t'apprend que si tu jeûnes, tu n'es pas censé insulter. Mais quand on dit t'es pas censé insulter,
Comment elle a été ton année avec les insultes? Ça, c'est ce qui m'a choqué le plus avec beaucoup d'élèves, subhanallah al-adhim. Les insultes. Ya Shabab, vous savez très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, il y a des insultes entre les jeunes. Wallahi, chez nous avant, il y a peut-être une trentaine d'années qu'on avait une quinzaine d'années. Wallahi, c'était des insultes. Si un, il les sortait une fois dans l'année, wallahi, les jeunes du quartier ne lui parlaient pas pendant des mois et des mois. Toi, la famille des fils d'eux. Wallah, mais on lui parlait. Et il devait dire, Alhamdoulilah, que Dray, ils n'ont pas fra, ils n'ont pas qu'tel, tu vois, ils n'ont pas coupé en morceaux. Ça veut dire, il y avait des mots, c'était intouchable. Ça ne doit pas sortir ta bouche. Et aujourd'hui, il te le sort, et puis quand tu dis que tu viens de dire, non, monsieur, c'est mon copain, je connais sa mère, c'est ma tante. Oh, oh là. Oh, mashallah. Ça tombe bien que j'ai un élève à moi qui est ici. Parce qu'ici, il devait venir témoigner. Tout le temps, je le fais. Tout le temps, chaque semaine, je dis, les gars. Fils de, t'as qui la sort? Comment? Non, c'est mon copain, monsieur. Non, ça me l'aime bien, monsieur, qu'on vient, donne des chips. Taqillah, wallahi, vous savez très bien que le prophète m'a dit, n'insultez pas vos parents. Dis, comment on insulte? En insultant les parents des autres. Ça, c'est en dehors de Ramadan. Ya Shabab. Imaginez-vous, al-iyadu billah, pendant Ramadan. Les savants nous ont appris que certaines actions, écoutez-moi bien, certaines actions, elles peuvent des fois, écoutez bien, certaines actions, on va dire dans les mauvaises, on va rester dans les mauvaises, certaines mauvaises actions, elles peuvent avoir un poids, même si elles sont les mêmes, elles peuvent avoir un poids beaucoup plus lourd, écoutez bien, d'après le temps et l'endroit où tu es. Ils ont dit, c'est une petite parenthèse pour nos jeunes, si tu insultes quelqu'un en dehors de Ramadan, ils ont dit ça n'a pas le même poids que pendant Ramadan. Ils ont dit tu insultes quelqu'un à Bruxelles, ça n'a pas le même poids afouane si tu l'insultes devant la Kaaba, à la Mecque. Et spécialement durant le Hajj. Regardez, vous avez compris le système. Mais même comme ça, ils te disent, l'un dans l'autre, t'es mauvais, c'est pas bon. C'est pas bon, tu peux pas. Mais nos savants, ils vont plus loin pour te dire, fais attention, entraîne-toi à ne pas le dire ici, parce qu'un jour, tu vas peut-être te retrouver dans un endroit. C'est pour ça que vous avez les conférences, quand ils parlent sur le Hajj, le Umrayoud, et on vous dit, faites attention, si vous n'êtes pas entraîné à retenir votre bouche ici, vous allez massacrer votre pèlerinage là-bas. Et même pire, vous allez revenir avec Allah, faites des sayyat. Eh bien, Ramadan, la même chose. Regardez Satan, pourquoi je l'ai cité, parce que c'est une fois dans l'année, et il va vous casser votre jeûne. Il va s'arranger à t'énerver pour un oui, pour un non. Et on va voir les meilleurs. On va voir ceux qui vont dire Inni sa'im. Je suis à jeun. Mais nous, on est des spécialistes. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu des drôles au quartier qui lui dit fais le malin, non, Yak. À 23h, frère. À 23h. Allah, chaque fois que je trouve une solution, je trouve toujours un coco qui va me la casser. À 23h. J'attends pas à ça à 23h. Si les gars, tu peux ni à 20h, ni à 23h, ni à 1h, tu peux pas. Ah, mais vous avez dit, frère, oubliez les gars. Les seuls beaux contacts qu'on doit avoir, nous, entre nous, les musulmans, c'est l'accolade. Tu vois, faire une accolade, pas pincher, tu peux pas. Et frère Ramadan, subhanallah, tu montres encore plus à cette âme que regarde, tu t'es retenu toute l'année, frère Ramadan encore plus. Et pour que quand tu sors de Ramadan, cette langue, elle est encore plus propre qu'elle l'était. Et tu l'as entraîné pendant un mois à écouter du Coran et à faire dans le Qiyam l'invocation. L'évocation, ça veut dire dua, dhikr. Donc quand tu sors de Ramadan, tu continues. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Et toi, tu es assis à l'aise dans le bus, dans le tram. Pas que tu es là, zdak bo. Non, oublie. T'as été lire qu'il y a des fois des paroles, subhanallah, qui peuvent être très légères à la langue, la bouche, mais très lourdes dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. La hawla wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. La ilaha illa anta rabbi subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. On n'arrête pas de vous les répéter. Prends la citadelle du musulman. Ça, c'est les invocations qui doivent bouger dans ta bouche. Et c'est pour ça qu'on te dit, alors si tu t'es habitué à cela, pendant Ramadan, Allahu Akbar, c'est fini ta langue, même si quelqu'un est élève, wallah,
à tout casser si vraiment tu vas t'assob, tu vas lui dire Allah atik al-khubz, par exemple. Allah, ça vous étonne, ça existe, frère. C'est une belle doua. Allah atik al-jannah, par exemple. C'est pour ça, s'il y a des mamans qui nous écoutent, elles doivent oublier Allah atik al-farah, Allah atik al-musiba, tout ça, non. Même le prophète Hassim l'enseigne. On n'a pas été suscité pour maudire les gens. On n'est pas la haine. Et on prend ça du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La langue, et Shabab, qu'est-ce qui sort de cette bouche? La médisance, parole sur le dos des gens. Tout ça, alhamdoulilah, vous connaissez par cœur. Colporter des propos. C'est pas en journée, tu te retiens et tu viens chez le type, tu fais. Tu es au courant de la nouvelle? Laquelle? Je peux pas te la dire. On est à jeun ce soir. Ça aussi, il y en a qui le font. C'est des hamaoullah, des. Non, c'est quoi? Non, c'est bien, c'est haram. Haddash, il a dit, on ne peut pas parler en journée, ça, c'est pas bien. Et alors, 22h05. Ça, il est là avec le GSM, dès qu'il prend, il mange la date, il est là, tac, il envoie, envoyé. Ah, les gars, on sait très bien qu'on le fait, ça. On ne peut pas. Aussi, Allah rida alaykoum, le jeûne des yeux, qu'est-ce que tu regardes? On sait très bien que, subhanallah, le premier regard, c'est un réflexe. Ça arrive. À tout être humain, Wallah, il est connu, c'est un réflexe. Il faut quelqu'un, un corps qui passe, ou là, une voiture, n'importe, tes yeux ont été, c'est un réflexe. Mais le deuxième, pour toi ou contre toi? Des fois, on parle aussi à nos jeunes, Ramadan seulement, alors que c'est une erreur, normalement, c'est toute l'année. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu regardes sur ordinateur? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Petite parenthèse au fait. Quand je parlais de la langue, ces derniers temps, je parlais avec certains amis à moi. Je leur disais qu'aujourd'hui, on a même la langue, mais qu'on appelle les doigts. C'est pourquoi les doigts? Ceux qui sont toujours derrière l'écran, c'est très lâche. Hein. Tu sais, quand tu es derrière un écran, c'est facile. Tu écris ce que tu veux. Y en a qui ne parlent pas, mais ils insultent en écrivant. C'est une parenthèse, faites attention. Moi, je le vois dans Facebook. Moi, j'ai la page officielle, mais j'ai aussi une autre page avec un surnom qui est inconnu au bataillon. Et je me connecte à plein de bachar. Encore hier, là, encore hier. Et j'aime bien quand je fais ça, parce que la page, elle s'arrête à la seconde. Alors moi, quand tu vois les écrits, il y en a un tous les 40 secondes, il y a une réponse quelqu'un, toute une bande. Je vous donne un exemple, Yachabé, vous voulez qu'on vomisse un peu? Hier, comme ça, en pleine journée, un garçon et une fille s'allument. Eh ouais, tu veux pas passer? Comme ça. Mais comme j'étais ami dans leur groupe, donc j'ai reçu le message. Je rentre, dès que je rentre, je fais semblant. D'abord, il faut bien lire, il faut les laisser, tartarda. Puis à ce moment, ça va plus loin. Ouais, je suis prêt à venir, avec mon copain aussi. Ouais, ben j'appelle ma copine, puis je rentre, je fais salam, et si jamais on meurt ce soir? Wallahi, bête phrase. Wallahi, bête phrase. J'ai dit, si on meurt ce soir, Wallah, le poste, il s'est arrêté. Wallah, il s'est arrêté, direct. Direct. On ne doit pas les oublier, ces jeunes-là. Et on doit invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, pour eux. Et des fois, ils oublient, effectivement. Je suis content qu'ils ont arrêté. Parce que peut-être que, alhamdoulilah, ils se sont dit, ça dépend de leur intention. Il y en a soit qui se sont dit, purée, c'est quoi, c'est intrus. Et alhamdoulilah, j'ai été testé ce matin, ils ne m'ont pas zappé. D'habitude, tu zappes direct, hein? Bloquer, bannir. Faut pas bloquer, alhamdoulilah. Donc, tu te dis, ils se sont dit, oh là, on a été un peu loin, qu'est-ce qui se passe? Et naam, yashabab. Même les cris. Et les yeux, je reviens à ce que je disais, télé, ceci, cela, c'est pas haram, alhamdoulilah, les savants, yashabab, rahimahullah, les grands savants, l'ifta, en Arabie, partout, ils te disent, on n'a jamais dit que la télé, elle est haram. L'emploi que tu en fais. Dans les calbums, il le dit. Et on ne dit pas que c'est haram, mais l'emploi que tu en fais, le temps que tu consacres. Il y en a pendant Ramadan qui vont se lâcher. Pourquoi? Parce que, de nouveau, certains, la journée, ils dorment, et le soir, à quoi ça sert d'aller dormir, puisque dans 3 heures, c'est sommeil. C'est le vigile. Et raison à la télé, ils ont bien devant l'ordinateur. Mais ils pensent que les anges, ils arrêtent de noter. Non, ils notent. Et ces heures-là, tu vas être questionné le jour du jugement dernier. Wallahi. Alors posez-vous la question à Shabab, comment vous réglez tout ce que vous voyez.
Et vous savez très bien qu'il y a un tas de choses par rapport à cela. Ya Shabab, j'avais mis l'ard alikoum pour aller un peu plus loin. Donc ça c'était sur les membres, dès qu'on a parlé, le Coran. Il reste d'autres petites actions, et je termine là-dessus, on voit un peu dans les questions qu'est-ce qu'on vit dans la réalité. Il reste des petites actions qu'on oublie. Sadaqa l'aumône. L'aumône, faites de l'aumône, ya Shabab. Apprenez. Et vous allez voir spécialement Ramadan, vous savez pourquoi? Tiens, qui peut se rappeler un peu pourquoi Ramadan s'est bien donné? Spécialement dans beaucoup de mosquées. Maintenant, je donnais la réponse. Ça se fait dans beaucoup de mosquées. Vous savez pas? Levez la main si quelqu'un ici, vite fait. Allô? Eh bien, il y a beaucoup de restaurants de jeûneurs à la mosquée, c'est vrai ou pas? Beaucoup de mosquées font à manger aux sans-papiers, aux pauvres. Il n'y a pas que les sans-papiers, même des gens qui n'ont pas les moyens de terminer la semaine. Eh bien, je vous dis, l'ard alikoum, quand, par exemple, Amel, est-ce qu'ils le font cette année? Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas s'il y a un responsable ici, vite fait, un détraillé. Non? Oui. Vous renseignez. Si vous savez que, par exemple, vous êtes du quartier et que Amel, ils font un restaurant pendant Ramadan, c'est-à-dire qu'ils aident les gens à venir manger Msakin ici, Wallahi, investissez, vous savez pourquoi? Parce que chez nous, dans la sunna, celui qui a aidé quelqu'un à rompre le jeûne, par exemple, tu viens et tu lui donnes, toi, de ton argent, ta nourriture, tu lui donnes au moment où il va rompre le jeûne. Wallahi, tu as le même ajr, tu as la même récompense. C'est comme si tu as jeûné fois deux. Enfin, imagine-toi si avec ta somme, on a fait à manger pour 300 personnes chaque jour. Allahu Akbar, l'ajr, il est immense. Et je le dis à nos jeunes, qui ne doivent pas se faire avoir par Satan, spécialement les jeunes qui ont des fois que 2 euros en poche. Wallahi, même si tu donnes 20 cents, tu as entendu? Même si tu donnes combien? 1 cent. Il est dans la balance. Wallahi, il est dans la balance. Si une intention, elle est bien, et tu es sincère, et tu as mis ce cent, Wallahi, il est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos jeunes doivent apprendre. Nos parents, ils partent, j'arrête pas de vous le dire. Ils partent d'année en année. Ah, j'ai vu mon père tout à l'heure. Ah non, 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 il me fait. Non, non, Ramadan ou bled, la aoun. C'est automatique maintenant. Partent. Qui reste? La nouvelle génération, là, elle est là. Hein. Ils sont capables de prendre la relève? De continuer ces belles activités que nos parents font? Ah, ça, c'est une autre question. Alors, tu dois habituer ton âme à donner. L'âme aime l'argent. Innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une épreuve, l'argent. Eh, na'am, ya shabab. Apprends à donner toute l'année. Apprends qu'à chaque fois que tu viens à la mosquée, Wallahi, même si tu donnes 5 cents, 10 cents, 1 euro, donne. Sacrifie un durum des fois. Je sais que j'ai demandé trop, désolé. Mais il faut des fois faire cet effort, ce jihad immense, de ne pas aller au snack une fois dans la semaine. Et le paradis n'est pas, c'est pas en liquidation, les frères hein, et les sœurs. On est capable de s'habiller comme il faut, on est capable entre guillemets, de donner, hein, quand il y a des bonnes affaires, les soldes vont arriver. Cette année, Ramadan, il est incroyable. Il est tombé dans une belle période, les soldes. Hein? Je vais en voir des drari à Rue Neuve, à Footlooker et compagnie, chercher des Nike à 50%. Et dès qu'ils vont te voir, ils vont faire semblant qu'ils sont perdus dans le magasin. Oh, ça a déjà... J'ai fait ici, monsieur. Mais qui m'a jeté dans le magasin comme ça? Mais qui m'a poussé, là? Non, c'est pas interdit d'aller acheter. C'est peut-être même moi tu vas me trouver acheter une paire de skates. C'est pas interdit, les gars. Mais c'est plus pour dire, regardez, on est capable d'investir. Wallahi. On est capable. Il y en a qui vont aller au bled. Ils vont peut-être oublier les pauvres là-bas. Mais ils vont aller faire tous les petits marchés là, à Tanger, partout, pour trouver toutes des fausses marques pour venir après, ici en septembre, à la rentrée scolaire, faire les coques à l'école. Armani, Gucci. Même des oreilles Dolce Gabbana, tout. Tout ça pour faire. Regarde. Regarde l'être humain, Satan, comment il se joue de nous. Wallahi, qu'avec des petites lettres. Vous avez remarqué, hein, tu prends Khoroto Aadi, tu lui enlèves Armani, le simple. Tu lui mets Armani, le torse, il bombe. C'est, wallah, c'est de la psycho, hein, c'est connu ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a plus de 1400 ans. Inna l'insana la yatra an ra'ahu. C'est très beau ça en langue arabe. An ra'ahu istarna. C'est-à-dire, des fois, l'être humain, il se gonfle, il n'a plus besoin des autres. Il n'a plus besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un ra'ahu, c'est-à-dire, il croit que, en vérité, Allah, il est paumé, mais il croit qu'il a quelque chose, qu'il n'a plus besoin d'aide des autres. Yatra, il se gonfle. C'est le M majuscule, c'est moi. Alors qu'en vérité, Allah, il n'est rien. Kun fayakun. Aujourd'hui, il a un, demain, il n'a rien. Rendre visite aux malades. C'est important, l'air d'alikoum.
rendre visite aux malades. La preuve, il y a des machallah, ils sont très amal, ils sont incroyables. Action, réaction. Je viens de parler des dons, ils m'envoient direct. Hein? On est des gratteurs. Vous êtes des gratteurs, même des bons gratteurs. Alhamdoulilah, dans ce qui est bon, ça c'est bien. En espérant que je ne te vois pas avec une nouvelle voiture, frère. Parce qu'il me met ici pour étudier, informer les frères et les sœurs d'un nouveau mode de don, sadaqa jariya, par SMS. C'est une très très belle idée. Vous savez que les frères ici, et les sœurs et les responsables, ils essaient, Inch'Allah, parce que c'est un manque immense, et vous le savez, je termine là-dessus. On a besoin de, pour les, une école musulmane, mais secondaire, ça manque. C'est la vérité. Et alhamdoulilah, l'État belge, ça qui est beau, l'État, elle t'aide, elle te dit, vas-y, lance. Il suffit juste que les choses soient structurées comme il faut. Et après autant, par exemple, un an ou deux ans, c'est même l'État qui subside après. C'est comme ça pour les juifs, chrétiens, orthodoxes, protestants. Là, il n'y a pas de... Et donc, c'est quoi? Il suffit d'envoyer un SMS en majuscule, SMS ou bien minuscule. Ça change rien. Donc, il suffit d'envoyer Islam, I-S-L-A-M. Il veut nous faire entrer en prison, ceux-là. Vous aurez dû mettre à servir, je ne sais pas ton nom, là. Islam au 6045. Et vous allez voir quand vous allez sortir. Normalement, si tu réfléchis maintenant, il y a combien de jeunes ici? Quasi une centaine, ça, oulala. Chez les sœurs, quasi, la même chose, ils font même plus. Et ils demandent d'envoyer, si tu envoies ça, le SMS, il coûte 2 euros. Parce que je dois être juste que je vous ai dit ça. Normalement, je pouvais m'arrêter au-dessus en vous disant, les gars, envoyez Islam au 6045. Vite, s'il vous plaît. Mais j'ai pas, on ne peut pas, je dois rester juste. Je ne peux pas vous faire de blagues. On peut pas. Mais si tu le fais, subhanallah, 2 euros vont directement donc pour le projet, pour l'école. Et ils ont même fait une vente de livres. Je l'ai mis sur mon Facebook, c'est dimanche. Hein? Dimanche quand? Le 7. Quel dimanche c'était? Le 7 juillet, à 14h, ils vont faire une vente de livres, mais avec prix bradé, Inch'Allah. Et de nouveau, les bénéfices vont pour le projet, Inch'Allah, Inch'Allah. Ça va, donc ça c'est important. Donc je disais que ça soit sadaqa. Rendre visite aussi aux malades. On a des membres de la famille des fois qui sont malades, on ne rend pas visite. Et pour terminer, Allah est-ce qu'on bekhir, le respect des parents. Quelqu'un qui jeûne, mais qui ne respecte pas les parents, son jeûne, Allah, qui ne perd pas son temps. Il doit jeûner, c'est pas ça, mais je lui fais comprendre, tu perds ton temps. Le respect des parents. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bil walidayni les deux. Waqada, c'est un décret royal, c'est un décret, c'est un cachet qui ne bouge pas, c'est une loi qui est décrétée, c'est fini. Elle ne bougera pas jusqu'à la fin des temps. Il y a les jeunes, le mois de Ramadan est un mois du renouveau, c'est un mois de la réforme, du changement. Revoyez votre relation, Allah, et avec vos parents. C'est la meilleure des relations sur terre. Même si tu me dis, mon père c'est un tordu, ma mère c'est ceci, et non, ça restera tes parents. Même si tu es reconverti et que tes parents t'insultent jour et nuit, ça restera tes parents. Jusqu'à ce que tu es dans un cas de force majeure grave, ça c'est toi qui le connais. Et même comme ça, tu ne pourras pas les insulter. Tu peux les éviter ou bien t'écarter d'eux parce qu'il y a un cas de force majeure grave, ta vie est en danger, kada. Et même comme ça, Allah, ce qui est bon en islam, tu ne peux pas les insulter. Allahu Akbar. Les parents et Shabbat. Apprenez à leur embrasser la tête. Apprenez quand tu rentres à demander après eux. Wallahi. Apprends à les prévenir que tu sors, tu vas quelque part. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as 18 ans, là tu as 17 ans, là tu as je ne sais pas quel âge tu as, que tu crois que tu resteras toujours leur enfant. Tu resteras toujours le petit gamin. C'est comme ça. Moi, l'âge où je vous parle, j'ai un enfant marié, mes gosses, kada, et comme je suis, j'aime bien la technologie et tout, des fois mon père vient, il voit un GSM bizarre, il me fait « Combien ça coûte ça ?» Je dis « Ça coûte de l'euro. » Combien de l'euro? Même ce qui des fois ça arrive, il dit, gamin, le bazar, il va te dire, l'hamak beloulad, le fou avec des gosses. Et des fois, même mes gosses, ils rigolent de moi, ils me font, t'as vu, t'as eu, hein? Et il s'étonne parce qu'il me dit, t'as vu, t'es resté, t'as rien. Je dis, tu peux pas. On a des jeunes qui collent leur nez avec leur père, comme ça, qui gardent avec les yeux, passent ton regard et tout, qui restent dans les yeux, comme ça, qui va lâcher le premier. Eh non, mais après, il va jeûner. Les gars, vous avez 10 jours, Inch'Allah. Ceux qui sont à l'aise, qui ont déjà pris le TGV, psahtkoum, continuez sur le même trajet. Ceux qui ont des dossiers, contrôlez-les, revoyez-les. Ceux qui ont des petits copains et copines bizarres,
L'année passée, je sortais de. Il y a 2 ans, avant. L'année passée, j'étais parti à l'Omra. L'année juste avant, je sors du centre, je capte un drill, je connais. Je connaissais la blague habituelle. D'après mes infos, je sais qu'il n'est pas marié. J'arrive chez lui, direct, il fait un autre à la fille, bah, l'achète. Elle s'écarte, là, elle s'écarte. Puis je lui fais, ah frère, c'est pas honteux, tu m'as même pas invité à ton mariage à Saabi, haram Ali. Haram Ali. Je sais pas, je vais me marier. C'est qui alors? Ah, je lui dis, purée, c'est ta soeur. Ah, Smahli, c'est ta mère, elle a l'air plus jeune que toi alors. Non, c'est pas ma mère. Je dis, c'est bien, je dis, on va arrêter de faire les gamins. Je dis, c'est bien ce qui se passe. Je dis, Allah, comment tu viens bâtir et tu feras en sortant après Taraweh? Revoyez les relations. Tu n'admettrais pas qu'on le fasse à ta soeur, ça, oulala. Et toi, la soeur, tu n'admettrais pas qu'on le fasse à ton frère ou autre. Revoyez ces relations. Sinon, l'islam, on accorde, Allah, il y a un respect par rapport au corps de l'autre. Même si notre discours il fait un peu vieux, ou la bizarre, ou la kada, mais alhamdoulilah, wallah, il y a du bien derrière. On respecte le corps de l'autre. Donc tous ceux qui ont des petites relations bizarres, ou bien qui croient, comme il me dit certains jeunes par mail, est-ce que Ramadan, monsieur, j'ai Aïda, je suis content qu'il ait une niya comme ça, qu'il ait. J'ai une copine, mais on a donné la parole, Ramadan, on va plus voir, mais est-ce qu'on peut se demander comment ça va? J'ai dit non, ça va pas. Ça va pas, que ce soit Ramadan ou pas Ramadan. Il faut du respect vis-à-vis de l'autre. Tu ne prends pas son corps, tu t'amuses et puis après. On ne peut pas. Chez nous, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est témoin lors de la rencontre des deux qui vont, entre guillemets, officialiser leur mariage. C'est comme ça. Et qu'on ne dise pas que c'est un discours de fou chez les musulmans. Chez les gens du livre, c'est comme ça. Ou chez les chrétiens qui pratiquent, c'est comme ça. Sauf que nous, on appelle ça islam depuis le début. Mais par exemple, chez les chrétiens qui pratiquent, c'est comme ça. Il n'y a pas de relation avant le mariage. Chez les juifs qui pratiquent, c'est comme ça. Il n'y a pas de relation avant le mariage. C'est parce qu'on n'entend pas, il n'y a pas beaucoup de conférences. Nous, on a des conférences dans le domaine, mais wallah, c'est la même pratique qu'ils ont chez eux aussi. Sauf parce que nous, on est un peu plus visible, que ça fait un peu arriéré. Oui, regardez les musulmans, leurs imams leur interdisent de sortir. Quelle honte. Non, c'est chez tous les gens du livre. Wallah, juifs et chrétiens. Revoyez tous ces dossiers, et pour ceux qui partent, continuez à structurer votre vie en tant que musulman, même là-bas au pays. Respectez les pauvres. Ne venez pas à la riche dans certains quartiers où vous savez qu'il y a beaucoup de pauvres. Regardez jusqu'où on va. Là, moi, je vois un ami à moi, il est assis en face de moi. On est du même quartier au bled. Et s'il se rappelle, Wallah, qu'on était jeunes, et Dieu en est témoin, Wallah, on avait certains moyens, nos parents, ils nous donnaient de l'argent, Wallah, exprès. Wallah, on s'habillait à la, comme on dit, à la belge. Ça veut dire mdabbar et tout. Tu mettais un sam kandoura tranquille et tout. Quand je savais que j'allais sortir, j'allais aller où loin, on ne me connaît pas. Hach, success et tout. Je rentre dans la voiture, je démarre. Fion, parti. Pourquoi? Pour ne pas blesser un pauvre. Pour ne pas faire en sorte que celui qui a des fois même pas de quoi terminer sa journée, vous savez très bien chez nous, bled, c'est pas facile, wallahi, qui ne remarque pas certaines choses. Tu sais faire des dons, fais-les. Commence par l'imam de la mosquée du quartier. Ça, c'est l'éducation qu'on a eu nos parents. Commence par l'imam de la mosquée du quartier. Commence par les petits pauvres. Même si tu vas acheter, wallahi, qu'une confiture avec un beurre et un morceau de pain dans un plastique et tu l'offres, wallahi, c'est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez les moyens. Certains jeunes, ils vont gratter pendant juillet, job étudiant, ça, oulala. Ils vont toucher un salaire où les taxes, ils ne vont pas être enlevées. C'est vrai ou pas? Un bon salaire, comment tu vas le gérer? Cela aussi, il faut qu'ils aient un conseil. Voilà, ça, c'est un petit peu les dossiers qui vont nous entourer parce que cette année, c'est spécial, c'est durant juillet et août. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne, inshallah, votre prière, vos lectures, hein, et qu'il vous protège pour ceux qui voyagent, ceux qui ont des examens de passage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, mais il faut étudier, pas attendre la dernière minute. A tout ça, Allah alaikum, hein, ne sous-estimez pas ces détails-là. Inshallah, très rapidement, on verra d'après le sujet, parce que certaines personnes vont loin. Naam, le jeûne du lundi et jeudi est continu jusqu'à la dernière semaine de Ramadan. Sauf quand il y a un jour de doute, on ne jeûne pas dedans. Si par exemple un jeudi est un jour de doute, on ne jeûne pas dans le jour de doute. Et ça, il faut être habitué à bien comprendre le calendrier et autres. D'accord? La même chose, on nous dit souvent que conseiller à ceux qui jeûnent, mais qui ne prient pas, qui ne portent pas le voile, ceci, cela. N'allez jamais leur dire que ton jeûne est nul et n'allez jamais leur dire ne jeûne pas, comme ils font certains. Taqiyullah. Ce n'est pas à nous de répondre. À quelqu'un de lui dire non, tu jeûnes pas, tu pries pas, tu fais pas. Mais au contraire, fais-lui comprendre. L'exemple que je donne souvent, alhamdulillah, alhamdulillah, certains jeûnent, ils l'acceptent parce qu'il est simple. Je dis, quand j'ai des amis au quartier qui prient pas, des fois je dis, tchou frère, tu jeûnes? Il me dit, ouais.
Tu te rappelles, tu m'avais dit que tu ne priais pas. C'est toujours le cas, mais je ne prie toujours pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de l'exemple que je vais donner? Sois honnête. Tu viens, écoute bien. Tu donnes à quelqu'un de l'argent, il achète du béton, il achète des briques, et toute la journée, il bâtit un mur. Et une fois qu'il est terminé, il prend un marteau et lui-même, il le casse. Et le lendemain, il refait la même chose. Le deuxième jour, et il le fait pendant un mois. Comment tu appelles ça? Le type, comment on l'appelle? C'est un fou. Parce que lui-même, il me l'a dit, Allah, il m'a dit, c'est un fou. Je dis, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vas jeûner et tu vas combattre Allah, pas de prière. Et le lendemain, tu vas de nouveau jeûner et tu vas combattre Allah, pas de prière. Pourquoi je dis combattre? C'est comme si tu dis à Allah à l'heure de la prière, Ya Allah, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de ton rendez-vous. Tu vas rien me rapporter. Je me suffis à moi-même. Parce qu'on en a besoin de la prière. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est à toi que nous implorons l'aide. Et toi, tu viens, tu dis, j'ai pas besoin de toi. Ça, c'est les exemples que vous devez donner à nos frères et sœurs qui, des fois, ils ont des manquements, des petits manquements dans la religion. Et toujours, avoir un cœur assez large, parce que tu ne connais pas la situation de ceux qui sont en face de toi. Et écoutez-moi bien, wallah, j'ai des fois des sœurs qui t'envoient des mails et ils mettent en parenthèse, je vous écris et je pleure. Écoutez bien. Et vous avez déjà entendu certaines de mes questions. La sœur te dit, wallah, et si je porte le voile, ma mère ou mon père, ils me massacrent. Les coups. Wallah, vous êtes au courant que ça existe, au fait? Wallah, que ça existe. J'en ai tout le temps pendant l'année dans les mails. Est-ce que, regardez, ils mettent, et je pleure, comme ça. Est-ce qu'Allah va me récompenser? Ne jugez pas les filles à l'extérieur comme ça à la seconde. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Il peut arriver, comme on a eu le cas au temps du prophète, de l'alcoolique, là, où on a fait comprendre qu'il aime Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète, plus que certains. Mais c'est parce qu'il y a une situation qui est là. Et là, c'était le prophète Asim qui est là, qui sait savoir ce qu'il y a par révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, aujourd'hui, on ne sait pas. Seulement, on a certaines informations. Moi, alhamdoulilah, voilà, il y a une adresse mail, donc je reçois plein de mails. C'est vrai qu'il y a des périodes, je ne réponds pas, parce que là, il y a trop, mais donc je suis au courant de ce que les jeunes racontent. Alors, ils te disent, il y en a, ils te disent, voilà, on me juge, kada, mais avant de sortir, je suis obligé de m'habiller comme ça, ou sinon, j'ai déjà reçu des coups, kada, je peux même vous envoyer des preuves. Il y a même, Allah, il y a certains, ils me disent, je peux vous envoyer des preuves. Et je dis, mais qui vous demande d'envoyer des preuves? Et ça prouve, subhanallah, des fois, intérieurement, ils sont malades. Ils sont mal, ils te disent, Allah, j'ai envie de mettre. Mais j'ai un problème à côté. Mais cette nouvelle génération, je vous l'ai dit, par rapport à la nôtre, elle est très très dure. Sincèrement, Allah. Prenez plein de frères qui sont ici, qui ont mon âge, la quarantaine. Et si un jour on ferait une petite... Inch'Allah, l'année prochaine, je vais essayer un jour de faire, après l'Isha, de faire une rencontre. Il faut que les responsables me le rappellent. On ferait un genre de table ronde comme ça, tous assis. Et que les jeunes parleraient un peu, pour qu'on sorte un peu de la routine habituelle des conférences, et vous verrez un petit peu, voilà, il faut me le rappeler à Shabab. Rappelez-le-moi, Inch'Allah. Voilà, les responsables, ils m'entendent, qu'on fasse une grande table ronde comme ça, une soirée, où nous, on vous expliquerait comment nous, on a vécu, ceux qui sont nés ici, qui ont la quarantaine, et ceux qui ont les 18 ans maintenant et compagnie, par exemple, plus ou moins tranche d'âge. Certains jeunes sont très durs entre eux. Et j'ai remarqué, par exemple, spécialement si des filles commencent à mettre le voile, Aoud, elles ont un regard hyper dur sur celles qui ne le portaient pas, elles oublient son passé. Des garçons qui reviennent à la pratique, Aoud, dès qu'ils reviennent, type, ils ne rigolent plus. Tu vois, mon frère, c'est la fin de la terre, rigole pas. Wallah, rigole pas, frère. Ah, subhanallah, t'as rigolé 200 ans, ah, tu viens maintenant me casser la tête. Wallah, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas, tu ne connais pas la situation de certains. Faut faire attention, encouragez-les. On va faire un frère, une sœur chaque fois. Est-ce qu'une femme enceinte et une femme qui allait de son bébé peut jeûner? Comme d'habitude, la femme enceinte doit tout le temps, et à les sœurs, elle doit tout le temps demander un avis à son gynécologue, à son médecin. Pourquoi? Parce que avec le fœtus, au fur et à mesure qu'il grandit, il a besoin de certains apports nutritifs. C'est important. Il a besoin d'apports nutritifs. Bon, là, des fois, tu peux même causer certains handicaps à l'enfant. Et spécialement cette année, beaucoup de mes amis médecins musulmans, ils me disent, il faut le rappeler à Hadaj dans les conférences, parce que dans les questions-réponses, parce que justement, c'est 18 heures. Donc un bébé qui ne reçoit rien pendant 18 heures, c'est lourd. La femme enceinte, elle a tout à fait le droit de rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que pour avoir une montée laiteuse, il faut boire beaucoup pour avoir du lait. Il faut boire beaucoup. Donc, subhanallah, elle a le droit. D'accord? Donc, ça, il faut pas aller se risquer à jeûner toute une journée sans prendre d'avis du médecin. Même si c'est un médecin non musulman. Par exemple, si ta gynécologue, elle est non musulmane, et parce que tu n'en connais pas d'autres, alhamdoulilah, tu te bases sur sa compétence.
Voilà, ce n'est pas un imam qui va te dire non, non, vas-y, jeûne et fais tout. Tu peux te mettre en danger et mettre en danger la vie de l'enfant. D'accord, Allahu ta'ala. Si une sœur dit, donc, si on ne jeûne pas Ramadan, est-ce qu'on a une dette envers Allah? Et c'est, hatta les savants, ils te disent, on va aller plus loin. Si tu l'as fait exprès, tu es dans le domaine du kufr, de la mécréance, wallahi. Tu viens exprès, amdan muta'ammidan, tu dis non, moi je ne jeûne pas, il n'y a pas de jeûne. C'est de la mécréance, Allah. Tu as fait sauter un des piliers de l'islam, comme pour la prière. Faman tarakaha faqad kafar. Faites attention, Allah d'alikum. Hatta les savants te disent que tu les remets même après 20 ans. Tu dois remettre ces jours-là, ça reste une dette, Allah d'alikum. Il faut refaire ces jours-là, parce qu'elle demande, elle dit, est-ce qu'on doit refaire ces jeûnes et tout? Naam, il faut les refaire. C'est important. La seule divergence qu'il y a chez les savants, ça vous le savez, c'est que si jamais, par exemple, tu as fait une erreur, tu n'avais pas jeûné une année et que tu as été les remettre, la divergence qu'il y a, beaucoup de savants, par exemple en Arabie, d'après le madhhab Imam Ahmed ibn Hanbal, eux, ils te disent, le Hanabila, ils te disent que tu dois refaire le jour plus payer pour chaque jour que tu as mangé, entre 4 et 5 euros. Mais beaucoup de savants disent qu'il n'y a pas vraiment un dalil là-dessus. Ça, c'est un petit peu la petite polémique qu'il y a entre eux. Et c'est pour ça que nous, par exemple, au centre, la plupart de mes chers, on disait que tu remets les jours, mais sans payer. Mais à côté de cela, Vardalik fait des aumônes, fait des bonnes actions, parce que tu as commis un péché qui est grave, qui est lourd, de ne pas avoir jeûné. C'est important. Est-ce qu'on jeûne le vendredi seul? Jamais. On ne peut pas. C'est un jour de fête, comme ça. C'est un Eid. On ne jeûne jamais le vendredi, mon seul. Tu peux jeûner quand c'est précédé ou suivi. D'accord? Jeudi, vendredi ou vendredi, samedi. Ça va? Ça, c'est important. Wallahi, l'horaire de Ramadan, un frère, il demande ici, il dit, éclairez-nous concernant la divergence sur les horaires de Ramadan. Moi, j'ai aimé la Cheikh Yahya Hafidahullah, qui était notre directeur là, d'Arabie. Il a été clair lors de plusieurs khutbas du vendredi. Il leur disait, même Ramadan, il dit, écoutez, le calendrier que vous êtes habitué à suivre à la maison toute l'année, vous le suivez. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des fois des décalages entre les calendriers, spécialement pour la rupture. Et spécialement aussi pour l'heure où on va arrêter, pour la prière de sommeil. Par exemple, tu as trouvé 3h20, dans un autre calendrier 3h25. Ah, il y a un problème là, il y a 5 minutes. Ne va pas accuser ceux qui ont arrêté à 20 par rapport à ceux qui ont arrêté à 25, que ceux de 25 ont mangé à Ramadan. Les savants en ont parlé. Et j'ai participé au centre islamique avec les autres prédicateurs et les mashaykhs les plus connus de Belgique, avec Cheikh Al-Kharraz Hafidahullah, Cheikh Toujgani, Cheikh Tahar Hafidahullah, Jami'an, et bien d'autres. Il y a eu tout un colloque avec des mashaykhs qui étaient venus d'Arabie, des spécialistes en astronomie, ceci, cela. Et ils ont effectivement, même à la fin, ils ne sont pas aboutis. Ils n'ont pas abouti à ce qu'on appelle un consensus général, qui est qu'en Belgique, il n'y ait qu'un seul calendrier. Alors qu'en vérité, wallah, c'est faisable. C'est faisable. J'ai assisté au colloque de mes propres yeux pendant les 2-3 jours. C'est faisable. Mais, alhamdoulilah, le monde des savants, on le respecte. Ils ont des fois des petites divergences entre eux. Mais ce qui est beau, au lieu d'insulter les savants, de les rabaisser ou de dire « Regardez, ça en a... » Non, ce qui est beau, c'est que c'est eux qui sont responsables devant Dieu. Nous, on n'est que des élèves, on n'est que des suiveurs. Sauf si on est des élèves avec un bon bagage, là, tu sais où tu peux aller. Mais sinon, je vous dis, no stress, vous ne stressez pas. T'es habitué à venir à la mosquée Al-Amal. Si le cheikh ici à la mosquée Al-Amal ou l'imam vous dit, voilà, pour nous, on va suivre tel système, on va faire tel système, jazakallah, c'est eux, c'est lui qui est responsable. Sans que tu le rabaisses, ni tu l'insultes, ni. Tu dois être no stress à ce moment-là. Bardalikum. C'est comme ça qu'on a besoin, une génération qui, alhamdoulilah, n'a pas besoin, parce qu'elle n'est pas d'accord, elle va clasher un tel ou un tel. Mais, c'est un problème en Belgique, on a plusieurs calendriers, c'est la vérité. Si je pars en vacances pendant Ramadan, dois-je le clôturer avec le pays résidentiel ou le pays voisin? Non, tu dois clôturer là où tu es là-bas. Par exemple, tu pars d'ici, on va dire que tu pars la semaine prochaine, encore l'autre jour j'en parlais avec un élève, parce que c'est vrai que ça perturbe des fois, ça roule, ce calcul. Tu pars d'ici, c'est pas encore Ramadan, tu arrives là-bas, ça c'est le cas le plus simple. Où tu vas rester jusqu'au mois d'août, fin août même. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça, oulala. Tu jeûnes donc avec le... Je prends le cas du Maroc, hein, pour rester comme ça large. Tu jeûnes avec le Maroc. Tu pars d'ici, par exemple, le premier jour, ou il y a le deuxième jour de Ramadan. Tu as déjà jeûné 2 jours. On sait qu'on ne peut pas jeûner plus de 30 jours. Tu arrives là-bas, c'est très simple. Tant qu'ils arrivent à 29, 30, après 30, toi, tu ne peux plus jeûner.
Même si eux, le lendemain, ils jeûnent, toi, à ce moment-là, tu manges, tu ne montres pas à l'extérieur ni quoi que ce soit, tu gardes ça privé, mais tu ne peux pas dépasser 30. Et à l'inverse, si jamais c'est l'Aïd, tu ne peux pas jeûner le jour de l'Aïd, sachant que toi, par exemple, il te manquait peut-être un jour, parce que tu as eu un décalage entre la Belgique et le Maroc. Après, tu remets ton jour. Parce qu'on ne jeûne pas le jour de l'Aïd. Voilà. D'accord ? 29-30 maximum. Moins, tu devras remettre. C'est normal, il n'y a pas 28 jours, hein, ça vous le savez, Shabab. D'accord ? L'arda alikoum. Allahu ta'ala alam. Je voudrais savoir si je dois jeûner, étant donné que quand je jeûne, j'ai de fortes migraines, nausées, vertiges. Avis du médecin, Shabab. Ça, c'est une éducation incroyable. Toujours. Les fatwas de Ramadan ne répondez pas quand c'est médical. Parce que vous voyez, quand vous lisez comme ça, toi tu crois que c'est une migraine, oh, nausée, vertige. Qu'est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va dire ? Bah, t'as qu'à te coucher. T'as des migraines, t'as des vertiges. On va dormir, c'est le problème. Non, vous ne savez pas qu'il y a une maladie qui est très connue dans le domaine des migraines, où il y a des personnes qui vivent dans la migraine, des céphalées, tout le temps. Et ça peut être affreux. J'ai un proche que je connais qui a ça, c'est affreux. C'est-à-dire, des fois, tu dois rentrer dans une chambre fermée, tout, du noir. Wallah, du noir. Sinon, la douleur, elle augmente. Ça existe. Il faut un avis du médecin. Parce que celui-là, s'il continue, il peut même provoquer des petites lésions, ou ceci ou cela. Wallahu alam. Il faut l'avis du médecin. D'accord ? Il faut toujours demander. La preuve, moi qui vous parle, je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur, vous croyez que je suis le... Même moi, je suis un tordu. Wallah, je suis un tordu. Moi, normalement, je ne peux pas jeûner. J'ai une interdiction à cause de mes maladies, je ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai été faire ? Wallah, écoutez-moi bien. Je comprends ceux qui me demandent des questions de maladie. Parce qu'on a envie, subhanallah. C'est, quand tu aimes Ramadan, tu as envie. Moi, il y a quelques années, donc, le médecin, le spécialiste m'a dit, monsieur, et j'oublierai jamais, j'étais hospitalisé à l'hôpital. Et, subhanallah, les médecins, ils profitaient de m'apporter le téléphone pour me passer des services en haut, en bas, de personnes qui voulaient jeûner alors qu'ils sont malades, spécialement les personnes âgées. Et moi, donc, dans ma chambre, là, dans le lit, le spécialiste, il venait, c'est vous l'imam de centre islamique, ouais. S'il vous plaît, parlez au petit vieux, il doit manger, monsieur, s'il vous plaît, il doit manger. Je dis, allô, il faut manger. Moi, je suis resté 2 mois à l'hôpital à ce moment-là, il était content. Écoutez bien, il faut bien me suivre. Un des spécialistes, il a gardé cet événement en tête. Il s'est rappelé. Je quitte l'hôpital et ils me disent en sortant, monsieur Attache, le jeûne interdit, vous allez foutre en l'air certaines choses, il ne faut pas. Je dis, oh, c'est bon, je vous ai compris. Vous savez l'être humain comment il est, on oublie, je suis parti. Ramadan est venu, je vois la famille à la maison, ils jeûnent premier jour, deuxième, puis ça a commencé. Je dis, non, je dois jeûner, allez. Puis je me sentais normal, je dis, allez, faut... j'ai jeûné. Le soir, les urgences. Wallah, les urgences, mais mort, c'est quoi mort? Et qui arrive avec le spécialiste? Il dit, oh purée. Je le vois, je dis, oui, oui. Mais je fais semblant de rêve, ça commence, je reste couché. J'étais le milieu. Et puis il s'approche, je fais, votre tête, elle me dit quelque chose, hein? Je dis, ouais, comme tous les malades, hein, vous en voyez plein. Non. Vous n'avez pas un rapport avec une mosquée, vous? Je dis, tous les musulmans, ils vont à la mosquée. Ouais, j'aime bien rigoler. Je fais, tous les musulmans, ils vont. Non. Pire, centre islamique. C'est vous qui étiez au service qui donnait des... Et écoute bien le pic qu'il m'a envoyé. Wallah, je n'oublierai jamais. Il m'a dit, alors, on dit ce qu'on ne fait pas. Je dis, on avait dit qu'il ne faut pas jeûner. Puis il tourne les pages. Il me dit, mais ouais, c'est vous, il dit. Je dis, ouais, mais j'ai essayé. Non, on ne peut pas essayer. Tchou, subhanallah. Wallah, tu prends le même cas, tu l'aurais dit à quelqu'un, il t'aurait dit quoi? T'as mal un peu au ventre. Mais vas-y, tout cas, Allah Rabbi Kibir, il va te donner le hasanat. Et si jamais tu troubles, mais c'est ce que j'ai eu, j'ai une entrée de sévère, j'avais troué l'estomac. Et une hémorragie, tchao. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oh, il est mort, fils Abilillah. Non, il s'est suicidé. Et Wallah, les gars, je m'excuse du terme, tu t'es porté à la perte. Donc ne répondez pas à quelqu'un de la famille qui est malade et vous lui dites non, au plus tu jeûnes, au plus, mashallah, tu as des. T'es dans le combat, t'es dans. Mais non. Wallah, faites attention. Pendant qu'on peut jeûner, après le fajr, sachant qu'on était en état d'impureté, na'am. Ça, c'est connu dans la sunna. Par exemple, mais même comme ça, je vais te dire, fais attention. Mets des alarmes et autres. Parce que quelqu'un, par exemple,
Pourquoi je vais vous taquiner pour cette question? Est-ce qu'on peut jeûner après le jeûne, sachant que nous étions en état d'impureté? Logiquement, tu es censé prier le jeûne, donc tu étais censé te laver avant le jeûne. Je ne peux pas te répondre seulement en te disant « oui, oui, ton jeûne est valable ». Non, je dois t'attaquer en marche arrière. Et la marche arrière dit que si jamais fait le jeûne, tu étais là et tu savais qu'il y avait une impureté, mets une alarme pour que tu te lèves déjà pour le sahour, le repas. « Tasaharu fa inna fi sahuri » Baraka, il y a un bienfait immense dans le petit repas qu'on prend avant somme. Nous, on a des jeunes, ils sont très malins. Ils restent réveillés jusqu'à minuit, une heure, et ils drabinent ces zirda de la mort. Il te fait, je vais tenir 24 heures. Et le jour de la main, il se lève. Ou bien il se lève top chrono, 10 secondes, il prie dans sa chambre, debout, devant son lit. Comme ça, assalam, il tombe sur le. C'est de la physique, hein. C'est de la physique. Il y en a qui savent de quoi je parle. On est passé par là. Spécialement ceux qui ont les matelas par terre. Assalamakoum, salamakoum, il fait pas. Même le matelas, il est vers la qibla. Pas de repas, rien, prends rien. Tasaharu, il y en a même qui disent que c'est un ordre chez certains savants, subhanallah. Parce que c'est un verbe à l'impératif. Tasaharu. Mais alhamdoulilah, on sait très bien que ce n'est pas le cas, parce que si ça aurait été le cas, ton jeûne n'aurait pas été valable. Sahoulala. Donc, l'arda alikoum. Donc, je te dis, fais, mets une alarme en plus. Et la réponse. Vous l'avez compris, si jamais tu te réveilles et que la journée est déjà montée et tu étais en état d'impureté, alhamdoulilah, ton jeûne, il est valable. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier de faire l'intention du jeûne, que l'intention du jeûne soit chaque fois présente, alhamdoulilah. On sait qu'il y a la petite divergence, certains vous disent, voilà, c'est l'intention qu'on fait au début de Ramadan, elle est valable pour le reste, et d'autres, ils disent, dans d'autres madahib, ils te disent qu'il faut, chaque soir, on renouvelle l'intention par rapport au lendemain et autres. Ne soyez pas étonnés d'entendre donc cela. Une voisine m'invite donc demain pour assister à la veillée funéraire de son père. Est-ce qu'on peut y aller? Donc, à l'église. Les savants nous disent, tu peux, par exemple, le voisin, tu peux lui faire les condoléances à la maison, mais à l'église, on ne va pas. Par exemple, pour certains actes, puisqu'on va entendre des choses qui, religieusement, cadrent dans le domaine de l'aqida et ainsi de suite. Mais, ce qui est beau dans notre religion, alhamdoulilah, ce n'est pas parce qu'il est, entre guillemets, chrétien ou autre, que tu vas le zapper directement, spécialement s'il est voisin. Mais tu as le droit de faire donc les condoléances à la personne. Ça, les savants dans les fatawa, c'est, alhamdoulilah, c'est un sujet donc connu. D'accord, Allahu ta'ala alim. Voilà, c'est, souvent les gens, si on est très malade, mais quand même, parfois on essaie de forcer sur nous et on jeûne, je vous dis, il faut faire attention par rapport à votre dossier médical. Donc ça, je ne sais pas. Allahu ta'ala alim. Pour faire... Le qiyam, dernier tiers de la nuit, plus important. Très très important, dernier tiers de la nuit. Pour qiyam l'ail, où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Tu calcules donc entre le maghrib et subh. Par exemple, si le maghrib est à 22h, subh est à, par exemple, 3h30, 4h, tu divises en 3 le nombre d'heures qu'il y a. Et le dernier tiers. C'est vrai que maintenant en été, c'est très très court. Ça part de minuit jusqu'à 3h30 à peu près. Ça? Ou 3 heures et quelques partagées en 3. C'est comme si tu fais 35 divisé par 3. Oui. Tu as donné une bonne heure et quelques avant la prière de soubh. Tu te lèves et là tu fais du qiyam. Et ça va se faire aussi ce qu'on appelle Ramadan les 10 derniers jours. Il y aura tahajjud. Certaines mosquées, alhamdoulilah, terminent aussi des tarawih, font du qiyam avant ce qu'on appelle donc la prière du soubh. Et la mosquée fait une heure et quelques de prière avant. Ça, vous l'aurez aussi Ramadan. Essayez de gratter ces moments-là, l'ardalikum, de venir à la mosquée. Si jamais ils le font, ça dépend des mosquées. Non, on jeûne 6 jours avant, 6 jours après Ramadan. Le jour de Shawwal, ce n'est pas 7 comme a mis la personne ici, mais ça équivaut à une année de jeûne. C'est les 6 jours de Shawwal. C'est 6 jours après donc Ramadan. Tu attends que le Eid passe et puis tu peux entamer donc, ton jour de jeûne. Wallahu ta'ala alam. Non, pour une sœur dit, est-ce que la femme, par exemple, pour Tarawih, est-ce qu'elle peut aller à la mosquée? Na'am. Elle peut aller à la mosquée, même si, comme on dit, alhamdoulilah, que sa meilleure prière est chez elle à la maison, mais on ne lui interdit pas d'y aller. Si elle veut aller, que c'est en sécurité, qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, c'est très très tard. Donc, une sœur mosquina qui se retrouve à minuit et quelques, il ne faut pas oublier, hein, c'est pas facile. Donc, il faut qu'il y ait une certaine sécurité, Allah ardalikoum, par rapport donc à cela. Aussi, ce qu'on appelle l'i'tikaf, il est connu dans les hadiths authentiques. Je crois que dans Sahih al-Bukhari, si je ne me trompe pas, Hadith Aisha radiallahu anha, qui dit que quand le prophète Asim est mort, eh bien, nous, les épouses, on a continué alors à
à faire l'i'tikaf à la mosquée. Donc la femme peut faire aussi l'i'tikaf à la mosquée. Et c'est bien qu'elle demande, alhamdoulilah, qu'elle prenne un avis avec son mari et tout, pour ne pas déstabiliser tout le système, kada, de vie à la maison et autres. Mais les jeunes filles, s'il y a quelque chose de structuré dans une mosquée, c'est bien aussi de le faire. Donc la femme peut faire aussi l'i'tikaf. Ici, une personne aussi, ça c'est important, il faut toujours un juste milieu. Une personne dit ici, au stade, j'ai envie de me surpasser pendant ce mois de Ramadan, mais j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas faire de bonnes résolutions, mais de rien faire de ce que j'ai dit. De plus, après plus ou moins 10 jours, je vois les jours de Ramadan comme n'importe quel autre. Non, c'est pour ça qu'il faut toujours un juste milieu. Ne commence pas déjà maintenant à spéculer. Ah, je veux que ça soit comme ça et je vais. Non, et une bonne intention. Vas-y, fais ton possible, subhanallah, dis-toi, mets-toi une bonne volonté. Et bismillah, commence le mois. Fais-toi un petit programme. C'est pour ça que je te conseille, par exemple, de noter, de faire un petit tableau. Aujourd'hui, je vais lire 2 pages. Je vais faire autant de rak'at, je vais faire ceci. Fais un programme. Chaque jour, tu mets une petite croix. Et tu avances dans ton programme. Et ne laisse pas Satan, ça se dit waswas là qu'il est en train de te faire. Et tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas ceci, tu ne vas pas cela. C'est des waswas dans le vide. Allah ta'ala. Aussi, certains jeunes pensent qu'il n'y a plus de shayatin pendant Ramadan, ils n'existent plus. Non, les savants, dans la tradition qu'on dit que les satans sont enchaînés, ça veut dire leur pouvoir, il diminue. Pour ça, subhanallah, on le voit dans la réalité. Des fois, même des jeunes, Allah a dit au msaken, qui se cœur, tu sais, qui boit, qui. Enfin, Ramadan, tu vois, ils se cachent. Même si, bon, à part ceux qui sont drogués complètement, qui prennent de la drogue, plus l'alcool, eux, ils ne savent même pas que c'est Ramadan. Ça, certains jeunes, ils les insultent et tout. Par exemple, je prends un ribocourt. Vous savez, le petit groupe qui est tout le temps là, c'est qu'Allah aidihum. Allah, qu'Allah les aide. Mais beaucoup de jeunes ne sont pas au courant des méfaits de la drogue. C'est qu'il y a certaines drogues, hein, tu la prends une seule fois, elle t'éclate. Pour des années. Une fois. J'étais étonné lors d'une formation qu'on a eue pour faire aumônier de prison. On avait un spécialiste dans tout le domaine des drogues. Il expliquait la portée des noms de certaines drogues. Et Allah, on était étonné entre frères et les sœurs qui étaient là pour la formation de se dire une prise et t'as pété plusieurs neurones dans la tête. Une seule prise. Que penser de l'héroïne, ceux qui mélangent l'héroïne, la coke, l'ecstasy, les pilules, ceux qui prennent qui ont des fausses déclarations pour aller prendre des médicaments, des antidépresseurs, et ils mélangent ça avec ça. Toi, tu crois que tu parles à un être humain? Non, tu parles à un mur. Il ne sait pas ce que tu dis. Et certains, alors, ils s'énervent, ils les insultent et tout. Non, c'est plus lui. Hein. Lui, il n'est plus sur terre, c'est fini. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour le pardon et tout. Mais il est plus responsable, il ne sait même pas où il est. Allah est shahada. Il y a des questions hors sujet. Donc, pour expliquer aux non-musulmans le jeûne, alhamdoulilah, vous allez en librairie ou bien vous venez ici, comme on a dit la fois prochaine, le jour où ils vont faire la vente des livres. Il y a plusieurs livres sur pourquoi on jeûne, kada, qui sont expliqués. C'est tout un sujet. Je ne pourrais pas vous le donner comme ça à la seconde. L'ardalikum. Il y a de nouveau les questions mariage, ça, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le jour du mariage. Est-ce que je peux partir à la plage? Naam, mais on te dit fais attention. Fais attention. D'abord, alhamdoulilah, tu vas à un endroit qui est halal, kada, ça, vous êtes au courant, ton habillement doit être aussi comme il faut, hein, du nombril jusqu'au genou, les sœurs aussi doivent être couvertes, elles savent ça de ce côté-là par rapport à l'aura, mais ne va pas provoquer que tu vas aller boire. Parce que c'est bien quand tu plonges, la personne dit ce que je peux nager, non. Mais qui te garantit? C'est pour ça, fais attention, les savants te disent, tu auras provoqué toi la rupture de ton jeûne. Mais tu sais que quand tu plonges, l'eau peut rentrer par le nez, il se peut que tu avales, il y a plein de choses. Donc on te dit, que tu rentres dans l'eau pour te rafraîchir, il n'y a pas de problème. Ça arrive, tu rentres debout et là tu flottes, à l'aise. Mais que tu provoques, Allah, et tu auras commis un acte grave. Mais ils ne t'interdisent pas d'aller à la plage. Mais quand les choses sont faites, alhamdoulilah, d'une manière structurée. Ça, c'est un petit malin, ça. Soit il feinte, parce qu'il dit, je vais bronzer, mais je fermerai les yeux pour ne pas voir les femmes ou les filles qui passent en maillot. C'est un petit malin, ça. Il est 20h du vendredi soir. Ça, c'est 20h30. C'est un petit malin qui se réveille. Non, il a compris, sauf s'il est sincère, parce que tu sens que c'est la blague. Hein. Ça n'existe pas que je t'ai passé? C'est bon? Ah, t'es encore là. Ah, t'aurais vécu avec nos imams, ils t'auraient déjà montré comment on fait. Hein.
Mais on l'aime bien, parce que je ne sais pas c'est qui, mais on l'aime bien. On a besoin des frères comme ça, qui nous rappellent un peu les... Durant la Ramadan, passé beaucoup de confusion au lieu. Ah, j'étais pas ici pendant la Ramadan, alhamdoulilah, je n'ai pas vu ces confusions, je ne peux pas te répondre. Allahu alam. Allah. J'étais pas là, donc... Est-ce que nous pouvons faire un mariage de nous? Ah non, pour être rapide, mariage pendant la Ramadan, c'est pas interdit. C'est pas interdit de faire la fête de mariage, hein, pendant le mois de Ramadan. Il y a plein de personnes qui croient que Ramadan, pas de mariage, rien, pas d'acte de mariage, c'est fou. Donc ça, c'est, de ce côté-là, il n'y a pas de problème là d'Alco. Des fois, dans certains, j'ai eu le cas, mais j'ai plus de référence, mais alhamdoulilah, c'est pas un hadith. Certains mashaykhs, certains savants, subhanallah, dans le domaine de l'ascétisme, de zohd et tout, ils ont des drôles de remarques. Je préfère vous le dire comme ça, si vous le lisez, vous comprenez mieux, vous ne croyez pas qu'il y ait une contradiction. Ils disent des fois, mais ça c'est ceux qui vont loin, ils disent que essaye que pendant ce mois, tu ne fasses pas travailler ton cerveau pour d'autres choses dans le domaine du plaisir et autres qui vont te faire oublier l'essentiel du mois de Ramadan. C'est beau. Ce qui te dit que si jamais tu vas pour ta faire et tout, ton cerveau il va être attaché à... Vous voyez ce que je veux dire? Donc la fille, ceci, tu vois, Trouwen, ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Déjà quand tu vas retob et qu'on te dit ok, avant même l'acte de mariage, t'es Jamrouwen. Il y en a même qui dit quand il prie la voix dans le soujoud, ah il a des visions. Et, imagine-toi de cet état-là pendant Ramadan. Quel jeûne tu vas jeûner? Et Jamrouwen. Mais celui qui a déjà fait l'acte de mariage avant Ramadan et il dit voilà je voudrais faire, on sait bien que lui, c'est tout, il est déjà dans la routine. Alhamdoulilah, il est à l'aise, il est parti, il est lancé, comme on dit. Mais ça, c'est ce petit commentaire que j'ai déjà lu il y a déjà un petit temps. C'est plus pour que le cerveau, le cœur, l'âme restent bien rattachés à Ramadan. On ne lit pas. Une femme qui est indisposée ne lit pas, sauf celle qui a les règles. Elle ne lit pas le Coran, donc elle ne prend pas en main pour le lit. Sauf, comme on dit certains machères, si jamais elle était... habituée à le lire tout le temps parce qu'elle l'étudie par cœur. J'ai bien dit, pas la lecture tout simplement. Là. C'est l'étude par cœur et qu'elle a peur alors de l'oublier. C'est des fatwas exceptionnels, comme on dit, des exceptions dans ce domaine-là. Et vraiment celle qui tout le temps, étudie le Coran et elle a peur pour l'oublier et autres. Donc c'est vraiment des cas exceptionnels. On ne soit pas étonné de retrouver ça dans les fatwas. Allahu ta'ala. Et naam, tu as le droit dans les invocations de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse que tu vives avec un homme qui est pieux et autre. Alhamdulillah, c'est aussi, on a le droit dans l'invocation. Au contraire, c'est même important de le faire. Et naam, ça c'est le côté pratique, il ne faut pas être étonné. Beaucoup de savants vous disent que, oui, il a voulu le faire, c'est bien les jeunes qui parlent le langage de Baudelaire, parce qu'il faut. Est-ce qu'on peut avaler de la morve quand on jeûne? La morve, en vérité, allez, on va se parler entre êtres humains normaux, c'est des molars. Un molar. C'est le glaire, là. Wallah, vous serez étonné, chez beaucoup de savants, tu ne peux pas. C'est pourquoi? Parce que c'est un plat, il y en a qui travaillent le molar à l'aise, ils le montent. Jusqu'à ce qu'il ait un gros petit paquet là, de 20. Non, du molar. Pourquoi t'es gêné? C'est le tien en plus. C'est pas que je t'ai donné mon molar, c'est ton molar. Donc, c'est mon molar, il est bon, purée, c'est le mien. Tu l'as pas emprunté de ton frère ou du voisin, c'est ton molar. Donc il faut plus faire, c'est ton molar, il est bon. Et le type, il le travaille en bouche jusqu'à ce qu'il a un bon 30 grammes. Et après, il te fait. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de la matière qui est descendue dans l'estomac. Il y a une bonne zerda qui vient de. Eh bien, subhanallah, les savants te disent, tu ne l'avales pas. Wallahi. Tu dis, tu ne l'avales pas. La salive et tout, oui. Elle est naturelle. Mais il te dit ça, tu ne l'avales pas. C'est la vie qu'on donnait aussi au centre. Tu ne l'avales pas, tu le recraches. Voilà, donc c'est une question importante. Porter une montre plaquée or, non. L'homme ne porte pas d'or. Que ce soit bague ou bien montre, ça, on ne peut pas. Ça, on a répondu pour ceux qui doivent rattraper le jeûne et est-ce qu'ils doivent payer ou pas. Et on arrive presque à la fin, Inch'Allah. Quand on accomplit un acte d'adoration, dois-je d'abord compter sur la récompense ou la satisfaction d'Allah? L'arda alikum. Toujours, d'abord la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça même dans le hadith, on va imanan wa ihtisaban. Puisque nos actions, pour qu'elles soient, comme vous le savez, acceptées, d'abord il y a l'intention, la sincérité, on le fait d'abord pour
Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. D'abord, l'adoration sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, alhamdulillah, c'est une fierté pour nous, puisque c'est un cadeau venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. On compte sur la récompense. Ce n'est pas gênant de compter sur la récompense. C'est même important, alhamdulillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit et qui te le donne. Ça, on l'a dit. Il y a des jeunes, alhamdulillah, qui le disent. Que penser des gens qui font des longues siestes pour ne pas sentir la faim et tout, la question. 6 jours de Ramadan, passer là d'abord jeûner, Shawwal, puis 3 jours pendant l'année, maintenant Ramadan arrive, il reste encore. Ça aussi, il faut faire attention. Les savants, subhanallah, ils font une remarque, ils disent qui passe avant, Shawwal ou bien les jours que tu dois remettre. La plupart te disent tu dois remettre tes jours d'abord, puisque Shawwal, c'est un mois complet. Sauf quand il parle de la femme qui avait été enceinte et qui a décidé, par exemple, de remettre ses jours. On sait qu'il y a une divergence chez certains savants, comme Cheikh Al-Ben Rahimullah. Il permettait à la femme qui avait été enceinte de payer pour les jours qu'elle n'a pas jeûné. Ça, vous ne soyez pas étonné, parce que ces derniers temps, beaucoup de jeunes m'envoient des copies collées là-dessus. C'est vrai, elle existe, la fatwa de Cheikh Al-Ben Rahimullah. Et il a divergé avec les savants même d'Arabie par rapport à cette question-là. Que la femme enceinte, est-ce qu'elle rejeûne ou bien elle paye pour les jours qu'elle n'a pas jeûné. Donc cette fatwa, elle existe. Mais on te dit qu'on remet d'abord la dette, puis Shawwal, bardalikum. Pour ceux qui remettent, la dette, puis Shawwal. Ah, ça, c'est important, bardalikum. Est-il accepté? Non, un saignement, par exemple, la personne dit, on s'est coupé le doigt. Est-ce que le saignement, donc, rompt le jeûne? Non, ça ne rompt pas. Et aussi, je peux même vous rajouter, par exemple, les injections. Par exemple, certains veulent aller l'umra, le hajj. L'umra plutôt, parce que ça va être Ramadan, eh bien le vaccin, il rompt pas le jeûne. Les savants te disent quand c'est une injection nutritive, ce qui apporte des vitamines et autres pour le corps, les vitamines, tout ce qui est injection vitamines et autres, ça tu ne peux pas. Ou bien si jamais tu as dû rentrer à l'hôpital, tu as eu un malaise, tu as mis du glucose là, Baxter là, avec du sucre et autres, ça de nouveau ça rompt, parce que c'est des vitamines qu'on donne au corps. Mais une injection médicamenteuse, vaccin et autres, ça rompt pas donc le jeûne. Allah ou ta'ala, mes chevaux. Voilà, il ne faut jamais ravaler qu'est-ce qui remonte de ton estomac. T'imagines, tu vois que là, tu as un petit morceau de viande qui remonte, puis... c'est un petit rda qui est venu en journée. Pour ceux qui remontent, non. Ah, c'est vrai, c'est souvent des questions qui reviennent. Non, tu dois le recracher. Même avec les montées, des fois, acides, ça arrive qu'il y a quelque chose qui remonte, et comme ça, avec c'est acide, il y a des fois des petites matières. On ne sait pas, tu recraches l'ardalik. Et tant qu'on est dans les petites règles, si quelqu'un a bu sans le faire exprès, vous le savez très bien, si tu as bu sans le faire exprès, ton jeûne il continue, tu ne dois pas remettre le jour. Mais tu ne dois pas te dire, tu bois. La gorgée, non. Il y en a qui le font et tu dis, mais j'ai commencé le verre, je l'ai terminé, non. Ou bien j'ai commencé la gorgée, je me suis rappelé là en bouche, tu recraches. Pas me dire, c'est trop tard, là, on bouge. Non. Ah, tout ça, c'est des petites choses qui viennent souvent, que les jeunes demandent, c'est important, il ne faut pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a plein, et ça fait 4 ou 5 sur est-ce que je peux bronzer pendant Ramadan. Non, ça n'interdit pas de bronzer. Tu ne vas pas trouver un texte qui dit, il est interdit de bronzer. Mais, si tu as écouté la conférence, tu as compris. C'est Ramadan. Bronzer, on sait très bien que ça prend une bonne heure et demie, si pas plus. Je te conseillerais alors, s'il te plaît, si jamais, alhamdoulilah, parce que, attention, il ne faut pas toujours voir une question à mal direct. Ou un exemple, nous qui avons des problèmes de rhumatisme, arthrose et autres, quand on va dans les pays chauds, c'est une des choses que les médecins nous demandent. Vous allez en vacances là, oui. Pays chaud, oui. Allez dans le sable, allez kada. Vous voyez, certains, je suis sûr qu'ils ont directement vu à mal. Bronzer. Non, il faut toujours voir l'intention, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais même aller bronzer, on n'a pas un tahrim, on n'a pas une. Quand on discutait avec ma chère là-dessus, quand on était au centre avec le comité de fatwa, il n'y a pas une interdiction. Vous savez ce qu'il nous dit chaque fois? Ton temps est calculé. Ton temps est calculé. Tu es pendant le jeûne. Donc fais ton possible que si jamais tu as pris une petite heure de repos pour bronzer, j'espère que tu vas prendre plusieurs heures pour, mashallah, prier, lire du Coran, lire un ouvrage en religion. Où est-ce que je veux dire? Il y a deux poids, deux mesures, Yeshabab. Tout à l'heure, j'ai expliqué le programme, parce qu'un frère dit qu'il y a des cours de Coran début août.
Non, début août, il n'y a pas de cours de Coran, mais vous pouvez voir à l'accueil les responsables s'ils ont prévu un cours de Coran. Allahu a'lam, ils ne m'ont pas donné ça ici. Aussi les vomissements. Si tu as vomi exprès, tu dois refaire le jour. Quand tu n'as pas vomi exprès, que c'est venu que comme ça, tu nettoies ta bouche et autres et tu continues ton jeûne. C'est le vomissement exprès qui fait qu'on doit remettre le jour. Voilà, il y a beaucoup trop de questions et il faut apprendre que, je sais que ça peut vous étonner, mais déjà de répondre comme ça aux questions, c'est pas simple, c'est lourd devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça devient comme ça un automatisme, 200 questions et on y va comme si c'était du beurre, c'est très dangereux même pour moi, pour la personne. Enfin, jazakumullah, parce qu'il y a encore beaucoup ici, mais avec tout ce qu'on a répondu ici, mashallah, si on met déjà en pratique tout ce qu'on a dit, c'est déjà beaucoup. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna tiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا وارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.